Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'est Telkino. Il s'agit de l'épisode numéro 4 de The 11th Hour. On doit commencer le début de l'intro, juste pour pouvoir charger, donc il va falloir se taper ça, hein, désolé. Alors pour l'histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, eh ben je ne l'ai pas suivi non plus. Voilà. Non, nous jouons le rôle de Henry Mason, qui est à la recherche de Robin, qui a l'air d'être une collègue, mais une amie, très bonne amie même, et qui doit donc qui suit sa trace dans le manoir de Stoph, manoir de Seven's Guest, le précédent jeu, et donc il doit faire les énigmes que Stoph lui balance en pleine gueule, tout en se faisant insulter par Stoph, justement, je crois que c'est lui. Parce qu'il n'y arrive pas. Donc voilà. Donc le jeu est assez injuste, comme je le disais tout à l'heure, par pas mal de côtés. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi. Un petit taquin histoire de commencer dans la joie. Bah on reprend sur ce puzzle là en fait. Alors d'ailleurs, je vous montre un petit peu. Donc on a voilà, c'est l'assistant personnel, l'agenda électronique. C'est un jeu de 95, hein, donc c'était assez révolutionnaire en 95 d'avoir de la vidéo, vous allez voir, hein, parce qu'en fait on peut regarder les vidéos dessus. Là c'est la dernière vidéo qu'on a vue, qui est une tête qui se transforme en rien. Au milieu de trois pierres, c'est vraiment bizarre. On en a d'autres plus avant, voilà, celle-là. On a eu plein de vidéos la dernière fois. On reconnaît les chaussures de Robin. J'en sais rien en fait. Si c'est Robin, je pense. Oui, c'est du sang. Et oui, c'est du sang. Donc voilà, donc on chope des vidéos à chaque fois qu'on résout une énigme, qu'on trouve un truc dans le jeu. Et ces vidéos sont assez cryptiques dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu pêle-mêle. Et je sais pas trop. Je sais pas. J'ai du mal à vraiment faire. Tracer une histoire avec ça pour l'instant. On a la carte du manoir, donc là c'est le troisième étage et au-dessus. Et on est dans la galerie pour l'instant. On peut voir, je pense que si je fais ça. Voilà, deuxième étage. Les trucs bleu clair, c'est les endroits qu'on a fait, hein, qu'on a visité et on a résolu les puzzles. Sinon, c'est bleu clair strié, des rayures. Pareil. Quoique non, puisque au final la galerie c'est du bleu clair aussi, donc non. En fait, ça c'est bizarre. Je sais pas si ça bug ou quoi. Parce que là, ça devrait pas être comme ça en fait. Donc voilà, et on peut aussi demander des indices. Alors, est-ce que je clique là-dessus? Non, je fais close, je réouvre. On chope des indices. Donc la dernière fois, on a demandé quasiment tous les indices sur ce puzzle là. Mais on avait déjà tout trouvé par nous-mêmes en fait. Donc le soleil éclaire l'art moderne parce que en fait là sur le tableau qui est là on a un tournesol. Donc on avait trouvé le tournesol et on avait trouvé le fait que le soleil éclaire l'art moderne, c'est ça, mais on pensait que c'était ici alors qu'en fait c'était ce tableau là parce que le tournesol est en train de l'éclairer quoi. Voilà, donc on va aller là-dessus, hop. Parce qu'il faut le résoudre. Hein. On a vu que de toute façon, ça sert à rien d'attendre, de se balader, d'essayer de résoudre, de trouver des indices dans la baraque pour ça. Parce que en général, c'est pas le cas, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le jeu. Mais c'est magique, ça. Tu joues contre Stoph. Voilà, donc là, on nous a donné plusieurs indices, donc on avait compris. Bon, je vous le dis avant, mais on joue. C'est un jeu où on joue en 1 contre 1. Donc on va jouer contre Stoph. On active une pièce. Je vais vous montrer là, plutôt c'est un peu con de... On va activer une pièce. Par exemple si j'active je sais pas moi, celle-là. Et ben ça va activer pour mon camp toutes les pièces autour qui sont adjacentes. Hop. Donc pour moi, j'ai la couleur. Lui, la couleur grise. Donc, il a joué, par exemple, ici, en fait, et ça a activé... il a dû jouer là. Ici. Et ça a activé les deux qui étaient autour. Ok.
Et après, j'en active une autre, par exemple ici. Ça va activer tout ce qui est autour. Hop, lui, il continue. Hop, et le but du jeu, c'est de finir en dernier. Donc là... what? Tu riras moins la prochaine fois. What the fuck? Mais... on a passé 2h30 la dernière fois. Et je l'avais déjà fait, ça. Je sais pas si je dois rire ou pleurer, franchement. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, bah, on a une vidéo, en tout cas, on va regarder la vidéo. C'est le début de la vidéo qu'on avait déjà vue. Asseyez-vous où vous voulez. Le menu est sur la table. Genre, elle est plus longue ? Qu'est-ce que je peux vous offrir ? Ah. Vous avez du pain complet ? Désolée, ce n'est pas notre spécialité. On n'a que des beignets au chocolat aujourd'hui. Je suppose que vous n'avez pas de Perrier non plus. Je vais voir. Hé, hey Slim! On a du Perrier? Ah, il n'y a plus de Perrier, Hélène. Ils sont tous jetés dessus ce matin. Désolée. Vous voulez un San Pellegrino? Oui, ce sera parfait. Je plaisantais. On n'a que de l'eau du robinet ou du café. Je prendrai un beignet au chocolat avec un café. Là, on est d'accord. Vous voulez un cappuccino? Ça suffit, les plaisanteries, ok? Aussi bizarre que ça puisse paraître, nous avons une machine à expresso. D'accord. Je reviens tout de suite. Voilà votre beignet. Je vous ramène le café. Vous êtes Hélène Wheeler, n'est-ce pas? Vous êtes qui, vous? Je suis Robin Morales, la productrice d'Enigme, l'émission de télévision. C'est celle où il y a Carl Denny? Mm-hmm. Oh, lui, il est super. Il fait partie de ceux à qui je ne pourrais rien refuser. Comment il est? Bien... Oui, c'est Carl, pas Henry Mason, c'est dans ses... Il est plutôt le genre avec qui on ne peut pas vivre ou le genre sans qui on ne peut pas vivre? Ça dépend. Tous pareils. Qu'est-ce que vous faites, Harley? Je mène une enquête sur le manoir de Monsieur Stoff. Vous êtes la seule personne qui soit sortie vivante de cette maison. Qui vous a dit ça? Les autres ont disparu ou ont été assassinés. Vous croyez ces salades? J'ai lu dans les journaux qu'un chien de garde vous avait arraché la main. Comment ça s'est passé? Je dois retourner travailler. Je ne voulais pas vous contrarier. Je ne suis pas. Je vais chercher votre café. Non, je suis pas contrarié, arrête, je cherche ton café. Putain, c'est une longue vidéo, hein. Salut, Marie. Où est Chuck? Je croyais que peut-être tu venais pour moi. Ça va.
Tu croyais? Il est dans son bureau? Il doit partir dans 5 minutes. Il n'aura pas le temps de te voir, Marie. Alors dis-lui que je veux le voir. Chuck, Marie veut te voir tout de suite. Mais tu as une réunion à... D'accord. Ok. Ce sera le 7 pour toi. Amuse-toi bien. Je peux rester que 5 minutes. Allez, Marie, il faut se dépêcher. Allez, Oli. Quelque chose ne va pas? J'ai pas envie de faire ça à la va-vite, Chuck. Tu n'as qu'à faire ça avec ta femme. Oh, arrête, Marie. Tu sais que ton petit chéri sait faire des miracles. Oui, avec moi, 6 minutes te sembleront des heures. Ah, mais ça va pas. Complètement folle. Comment je vais expliquer ça à ma femme? Si t'as envie de me mordre, oui, t'as qu'à le faire où ça se voit pas. C'est terminé, compris? Ah, merde. Tu peux me dire comment je vais aller à ma réunion avec ça dans le cou? Alors, reste. Oui, c'est ça. Tu te rends vraiment pas compte. Je suis un homme d'affaires, moi. C'est une réunion importante. Tu peux faire tout ce que tu veux, Chuck. Tu t'en vas, Chuck? Non, pas tout de suite. En fait, à chaque fois qu'on résout des énigmes, on chope des bouts de cette vidéo, en fait, de toute la vidéo. Là, on a toute la vidéo en entier, c'est marrant. Oui, c'est du sang. J'étais en train de... Je sais ce que vous faites. Vous cherchez les indices d'un crime, et vous en avez trouvé un ici. Pour un amateur, vous m'impressionnez. Je m'appelle Robin Morales. Jim Martin, chef de la police d'Harley. Chef? C'est impressionnant. Il n'y a pas de quoi, on est que deux dans notre unité, moi et mon assistant, alors vous parlez d'un bataillon. Expliquez-moi en quoi le sang sur les pierres vous intéresse, Robin. Eh bien, je fais une enquête. Je travaille... Je sais. Vous êtes productrice. Énigme. Les nouvelles vont vite dans les petites villes, mais j'avais compris que vous enquêtiez sur la maison hantée. Exact. Ces histoires sont liées. Je veux dire que ces histoires de meurtres et de disparitions convergent toutes vers cette demeure. Il ne s'agit pas d'un simple on-dit. Vous ne croyez pas à ma théorie? Non, désolé. Et pourquoi pas? Parce que dans les maisons hantées, il y a des fantômes. Et je ne crois pas aux fantômes. Cette personne a été tuée. C'est un meurtre, Robin. Et ce n'est pas un fantôme qui l'a commis. L'assassin n'a toujours pas été retrouvé et je vous conseille de ne pas aller vous promener toute seule dans la forêt en ce moment. Robin. Je suis assez grande pour savoir ce que je fais. Je m'en doute, mais ne prenez pas de risques inutiles. Restez donc à vos histoires de fantômes. Comment Hélène Willey a-t-elle eu la main arrachée? Elle s'est fait mordre par un chien. Vous croyez vraiment cette histoire? Bien entendu. Eh bien, moi, non. Comment un chien pourrait-il faire ça? Ça ne pose pas de problème pour un barreau, je vous savez. Allons donc, shérif. Si c'était le cas, elle aurait eu d'autres marques de morsure. Est-ce qu'on a retrouvé le chien? Est-ce qu'on a retrouvé la main? Moi, je n'étais pas là à l'époque. Voyez le docteur Morton. C'est lui qui l'a rafistolé. Il consulte toujours? Rarement. Il commence à se faire vieux, mais il respire encore. Venez, je vous emmène à son cabinet. Suivez-moi dans votre belle petite voiture. D'accord, shérif. Appelez-moi Jim, je préfère. Quand on m'appelle shérif, j'ai l'impression de tourner dans un western où il n'y a pas de chevaux. D'accord, Jim. Vous n'êtes pas vraiment habillé pour vous promener dans les bois. Vous devriez mettre des bottes. Il paraît qu'on en fait très jolies, spécialement pour les productrices de télévision. Coucou, Kashka. Attends, je te parle après.
mon Dieu, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Où êtes-vous, Carl Denning? DTC. Ok, bah putain, c'était long, hein. La vache. Coucou Kashka. Ouais, c'est The 11th Hour, la suite de Seven's Guest. Et c'est la première fois qu'on a une vidéo aussi longue. Donc c'est cool. Alors, donc plusieurs choses. Déjà, ouais, Jalénial, je suis d'accord que c'est rigolo, mais je suis dégoûté. Je suis bien dégoûté. En fait, ce qui s'est passé, Kashka, qui n'était pas là, en fait, la dernière fois, on a essayé c'est de résoudre une énigme pendant 2h30. Et là, j'explique, moins que ça quand même, peut-être 1h30 quoi. Et là, j'explique ce qu'il faut faire. Et j'ai résolu le truc à la YOLO en fait, du premier coup. Alors que j'avais déjà... En fait, le truc était complètement aléatoire, en fait. C'était complètement aléatoire. J'avais déjà cliqué sur cette pièce-là en premier et fait cette combinaison-là. Mais vu que c'est... On joue contre Stoff, eh ben... Voilà, je sais pas. Franchement, ça m'a... Je suis content d'avoir fini l'énigme, mais... Mais on a gâché du temps la dernière fois pour rien. Enfin, bref, de toute façon, voilà, c'est fait. Hein. Et oui, alors, le jeu d'acteur pique un peu, c'est plutôt le doublage, ouais, je pense, qui pique plus que le jeu d'acteur. Après, faudrait voir en anglais, mais c'est comme, ça me fait un petit peu penser, en moins pire, hein, à Gabriel Knight, en termes de doublage. Même si là, voilà, ils ont essayé de faire un bon doublage, quand même, ça se voit un peu. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont assez comiques, quoi, mais bon. Ah, pour le coup, Viviolo, ouais. Je suis un peu deg, quoi. Et là, Carl sort des chats, ça va, ouais, il n'y a plus moyen d'avoir un moment sur cette baraque. Lol. Et je voulais reprendre ce que je disais au tout début. On ne joue pas le rôle de Henry Mason. Henry Mason, c'est dans Silent Hill. Je les ai confondus. C'est Carl Denning. Voilà, tout à fait. Donc, Carl Denning, qui est à la recherche de Robin, la meuf qu'on voit là, qui, en fait, à la base, enquêtait donc, pour son émission. On vient de l'apprendre. Pour son émission de télé-réalité sur le manoir de Stoff, et donc elle essaie d'interroger la seule survivante du manoir de Seven's Guest. Voilà. Ok, et on a résolu ça. Gabriel Knight, c'était extraordinaire. On est d'accord. Mais là, je suis mort de rire aussi sur certains trucs. Alors, donc là. Quelle surface pour Ubu? Un art ou plus? Voilà. Donc en gros, on reçoit des énigmes sur notre agenda électronique. Tiens, ça sonne. Il faut aller voir l'horloge. Ça sonne combien? Deux fois d'ailleurs. 11, j'imagine. J'aime bien l'ambiance rétro de ce jeu. Ah ouais, non, très 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 bien. Il est très... Enfin, l'ambiance est très bien. Mais le jeu est pas ultra juste sur certains trucs. Donc voilà, là il nous donne une énigme. On peut cliquer sur aide pour avoir en savoir plus en fait. C'est tellement cryptique qu'on est un peu obligé pour parfois de continuer sur les aides. Donc on le fait. Même avec les aides, des fois. Bon. Gabi. Faudra qu'on fasse le 3, même si le 3 c'est pas du FMV, ça pourrait être cool quand même. Quelle surface pour un Ubu? Un art ou plus? Qu'est-ce que ça peut être?
parce que ça peut être. Tiens, je vais sauvegarder aussi. Ce serait pas mal de sauvegarder en fait. Histoire de pas se faire last après seconde, troisième, quatrième. Voilà. Oh, après grosse vidéo. Après grosse vide. Voilà. Essaye encore, Carl. Tu te rapproches. Ah ouais, tiens, on va regarder la map aussi. Voir s'il y a des trucs qui se sont ouverts, du coup. Yolast. C'est toi, Yolast. Donc là, ça change rien. Ah, voilà. Là, on a la game room. Ed Knox et le bathroom, j'imagine. La salle de bain. Et au rez-de-chaussée, rien. Ok, donc... On peut se barrer de là. Aïe, 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 aïe. On va regarder l'horloge aussi parce que ça a sonné. Enfin, si ça veut dire qu'il y a un truc. On rentre dans l'horloge en fait pour aller là. Et là c'est toujours 11. Ok, donc on a dit il faut aller à l'étage. Et les déplacements sont assez blandingues, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais voilà, je préfère Seven's Guest parce que Seven's Guest, il y a des petites vidéos un peu tout le temps. La maison est vivante en fait dans Seven's Guest parce qu'il y a des fantômes un peu partout. Là, les fantômes, on n'en a pas vu encore. Alors, donc on peut aller. Quelle surface pour un Ubu ? Un an ou plus ? C'est de comprendre ce puzzle-là aussi. On va commencer par la game room qui est tout à droite. Please insert this. Ok. Uh-oh. Attendez. On va sauver. Je crois que c'était marqué sur 2 secondes. Ok. Essaye encore, Carl. Tu te rapproches. 2 secondes. Je vais redémarrer le jeu rapidement. Je crois que c'est expliqué au début. Tac. Alors j'ai le jeu. Chez mes parents dans le grenier, mais j'ai chopé une version Abandonware parce que c'est plus pratique que d'installer la vraie version. Est-ce que c'est indiqué là ? Changer de CD, CTRL F4. Voilà. Hop, hop, hop. CTRL F4. Hop. Regardez l'épisode Man of Medan avec Mu, très cool. Ouais, très très cool le jeu quand il plante pas. Il est génial, c'est clair. Quand il déconne pas, c'est clair. J'ai hâte de faire la suite, mais on s'est dit que ça serait pour le mois de l'horreur de l'année prochaine. Donc, de toute façon, on l'a pas encore, mais... ok, hop. Donc là, je suis obligé de passer par là pour recharger, malheureusement. Il faut attendre un peu. Je fais échappe jusqu'à ce qu'on trouve le... Jusqu'à ce que le PD arrive. Oh, pardon. Que ça fait plaisir de t'avoir là, Kashka, que c'est les vacances. C'est cool. T'as 2 semaines de vacances ou moins jamais si t'as les vacances scolaires, quoi, en fait. Ou... Voilà. Le Woodet. Une semaine, ok. Donc je rentre là. Il me demande le disque. CTRL F4. Yeah! Ok. Un billard. Ah, ça sent le puzzle, le billard. Là, il y a un truc. Alors, oui. Donc, la façon dont fonctionnent les salles, en fait, c'est quand. Là aussi, ça sent le puzzle. Quand on rentre dans une salle, habituellement, s'il y a un puzzle,
ça veut dire qu'il faut résoudre le puzzle avant de pouvoir examiner tout ce qu'il y a dans la salle. Une fois que le puzzle est résolu, ça débloque en fait pas mal de trucs dans la salle. Voilà. Donc bah là, j'imagine que... Ouais, c'est un puzzlé. La moitié des petites vacances toujours et tout Noël. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et si tu ne l'avais pas du premier coup ? Voilà, et là, il va se foutre de notre gueule jusqu'à ce qu'on comprenne. Alors, on peut demander des indices pour qu'il nous explique comment fonctionne le puzzle. Mais sinon... Sinon, on est obligé de chercher, d'essayer de deviner ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, c'est ça que je reproche à ce jeu, c'est qu'il n'y a pas d'indice quelque part dans le manoir, a priori, hein, jusqu'à présent j'ai toujours pas trouvé, ou là, qui t'explique comment faire, comment fonctionne le puzzle, pas comment le résoudre, mais comment il fonctionne. Vacances 15 jours pour toi. Ah non, moi j'ai une semaine la semaine prochaine. Là, cette semaine, j'en chie au taf. Là. J'en chie, mais alors d'une force. Je veux même plus. J'ai du genre, j'ai envie de démissionner, quoi. Alors on peut mettre là, ok. Et si tu ne l'avais pas du premier coup ? Est-ce que ça fait la même chose à chaque fois ? Okay. C'est pas ça, Carl. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Si je commence par le 1, là, je mets le 2 là. C'est pas ça. Là, je peux pas. Là, je peux. 3. Pourquoi là, ça fonctionne? Je te donne tout mon courage. Merci, Kashka. Merci. Il y a Elkinet qui est en formation là en plus, donc du coup ça veut dire que je dois je me tape la gamine, plus le taf, plus bah aujourd'hui j'ai même pas pu quoi, mais il va falloir que je fasse la vaisselle et le ménage un peu après le stream, ce qui est normal, hein, je me plains pas. Tiens, on peut recliquer dessus. Ah bon, je peux l'annuler. Ok, pas loin. Mais pas de sucre. Est-ce que je le refais? Ah, je peux pas, ok. Non. Je peux aller par là? Ah, mais par là, ça fonctionne pas, on a dit. Si? C'est pas ça. La vie c'est toujours plus facile à deux. Ah bah ça oui. Pas loin, mais pas de sucre. Tac. On n'a pas le choix en fait. Si tu ne l'avais pas du premier coup. Ouais, quelle est la logique de la chose? Quelle est la logique? Et si tu ne l'avais pas du premier coup. Il y a des... Alors on a couleur jaune, couleur rouge, couleur bleue. Est-ce que... Est-ce qu'il faut qu'il y ait un... Si je mets là, ça marche pas. Pas loin. Mais pas de sucre. Si je mets là, ça marche pas. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. Mais si je mets là, ça fonctionne. Parce que... Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas... Il n'y a qu'un de chaque côté. C'est pas ça, Carl. Pas loin, mais pas de sucre. Je comprends pas le... Vous voyez? Est-ce qu'il faut, il faut y aller à la YOLO là aussi? Ce qui serait dommage parce que... C'est pas ça, Carl. Tout à l'heure, on a réussi assez loin quand même. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut suivre. C'est comme si on faisait un chemin en fait.
Donc, on va aller là, par exemple. Peut-être qu'il faut que je mette le 1 ailleurs. Si je mets le 1 là. Ah, est-ce qu'il y a un 1 ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut pas mettre le 1 ? On peut le mettre où on veut. Ok. Donc, je vais le mettre ici, par exemple. 2. 3. 4. 5. 6. C'est pas loin, mais pas dessus, sucre. Voilà, est-ce que je peux... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, 8, 8 là. C'est pas ça, Karl. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 6, 7. C'est pas ça. C'est pas ça, Karl. Non, et pour l'instant, la seule logique que je vois, c'est qu'on peut suivre. Il faut qu'elle soit adjacente aux autres, mais pas forcément à toutes. Là, ça marche. Après, je peux aller là ou là. Si tu ne l'avais pas du premier coup. Peut-être qu'il faut finir par celle-là, en fait. Ou alors si je prends ça. Comme ça. Si tu ne l'avais pas du premier coup. Je comprends pas. Tu vois, voilà, c'est ça que je reproche au jeu. C'est cool, hein, et tout, mais... Il faudrait finir par celle-là, en fait. Si tu ne l'avais pas du premier coup. Ou est-ce que c'est parce que après t'es bloqué? Si je vais là, ça va être bloqué. Ah, c'est ça. C'est pas ça, Karl. Ok. Pas loin. Mais là, non. Pas dessus, sucre. Ah, alors. C'est pas que des diagonales. Si je vais là, c'est mort. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. J'ai l'impression que ces deux-là, il veut pas les faire. Ah si, là, il veut bien. C'est pas ça. Ok, alors il faut le faire. Et peut-être qu'il faut mettre des couleurs sur certaines. Oh, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait deux couleurs côte à côte? C'est pas ça, Karl. Est-ce qu'il faut... Et si tu ne l'avais pas du premier coup. Ah, je pense que j'ai une idée. C'est pas ça. On peut pas mettre de bleu. Donc si je fais bleu là et rouge là. Pas loin, mais pas dessus, sucre. Peut-être qu'il faut mettre... En fait, il faut peut-être mettre des billes de couleurs particulières sur certains trucs, sur certains endroits. Coucou Laurent. Additionner, tu crois qu'il faudrait peut-être que ça soit... alors attends, on va recommencer comme tout à l'heure là. On va voir. Donc là, ça fait, parce que là, jusque là, ça marche. C'est le plus loin qu'on ait été. Après, je fasse là ou là, enfin que si je fais là, ça va pas marcher. Donc après, tu les additionnes comment en ligne. Donc 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 3 et 4, 7. 7, 14. 7. Parce que là, je vais ajouter un 8. Il y a 8 et 9. Ah, tu dois avoir raison, en fait. Tu dois avoir raison. Il faut peut-être que ça ait... C'est peut-être pas une histoire de couleur, en fait. Donc là, on va ajouter 8. Donc ça, là, ça va faire 15. 7, 15. Et
si tu ne l'avais pas du premier coup. Il faudrait peut-être... J'avais pas pensé au coup de l'addition. L'addition, s'il vous plaît. Pas des maths. Ouais, mais c'est des... C'est pas des maths méchants, quoi. C'est plus du sudoku, là. On a 1, 2... 1, 2... 1, 8... Toutes les maths sont méchantes. Mais non. Pas les maths dans Star Trek. C'est des gentilles maths. Donc alors... J'en prends aussi comme ça, là. On va voir. Peut-être qu'il faut pas aller en dessous d'un certain nombre. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. Ah, vous voyez, là... Pourquoi est-ce qu'il veut pas mettre 7, là? Alors que tout à l'heure, on l'avait. Tout à l'heure, on l'avait, hein. Là, on a plus que 7. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est peut-être ça, mais... C'est pas... Il faut pas que ça soit égal. Parce que tout à l'heure, on a mis 3 et 4. Ça n'a pas fonctionné. 10. Là, il y a 17, là. Non, je... C'est pas idiot, mais j'ai pas l'impression que ça soit la bonne piste, en fait. Si on fait comme ça... Et j'ai l'impression que ces boules-là, elles ont... C'est pas ça, car... 1 plus 7 égale 8, certes, mais regarde, pourquoi est-ce que ça serait pas ça, si je mets un 3 là, ce qui ferait que ça fait 4 en ligne. C'est ce que je veux dire. C'est pas ça, Karl. Quelle serait... si c'était une addition... je dis pas que... Tu vois, je réfléchis. Voilà, j'essaie d'argumenter. Si c'était une addition, pourquoi est-ce que ajouter 1 et 3... Ou alors, c'est le contraire. C'est une soustraction. Et il faut jamais que ça soit en dessous de 0. Si je fais ça... C'est bon, puisque c'est de la diagonale. Si je mets là... 4 moins 2, 2. 5 moins 1, 4. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. Mais 6 moins... Ah non, ça ferait 0. Ou alors, il faut faire ligne par ligne. On a pu mettre celle-là. Coucou Kikinette, la dernière ligne, résultat des deux premières lignes. Ah ! Genre 7 égale 2 plus 5. Donc il faudrait... Ouais, mais non, c'est pas possible, parce qu'à ce moment-là, il faudrait mettre un 7 ici aussi. Ah oui, mais non. Oui, ok, je vois. Ou alors, il faut peut-être que... Puisque là, ça va pas faire 8, quoi. Ouais. Ça, Karl. Carrément. Ça peut être un... Ça peut être une idée. Chat devant clavier. Ouais, t'inquiète. Donc en fait, il faut, mais il faut, il faudrait, putain c'est compliqué quand même parce que, sachant qu'on peut faire que dans l'ordre, hein. Donc il faudrait peut-être que, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est pour ça qu'on peut mettre 1, 2, 3 en ligne. Est-ce qu'on peut mettre... Attendez. Je vais me faire comme ça. Ah, mais pourquoi il veut pas les mettre... 1,
2, 3. C'est pour ça que 1, 2, 3, ça fonctionne. Et du coup... 4. Je sais pas qu'il faut pas que ça soit égal dans les deux sens. Hein. 4, 2, 3. Si je vais là à 6, ça... Non, c'est pas bon. C'est pas ça, Carl. 1, 2, 3. On peut le mettre là. On peut le mettre que là. Donc 4 plus 5, ça ferait 9. Donc il faudrait finir par le 9 là. Ensuite, on a 6 et 7. Ah, mais il y a problème là. Il y a problème. Parce que le 6 et le 7, le 6, 7, 8, faut pouvoir les additionner aussi. Hein. Ça me paraît compliqué. Hein. Attends, enfin, je veux dire. Ou alors. On met le 3 là. C'est 3. Ah mais non, on est obligé de mettre le 3 là parce que sinon. On est obligé de mettre le 3 là. Sinon, ou alors il faut repartir complètement. Donc genre 1 et. 1 et 5 par exemple. Donc c'est. 2. 3. C'est pas ça. Non. C'est... Ah, c'est parce que si je mets 4, 2, que ça fait 6, 4, 5, 6... Non, mais pourquoi pas? Non, je pense pas que ce soit ça qui kinette. Il m'annule le truc avant. Mais c'est pas idiot, mais... Je pense pas... De toute façon, faut y aller à tâtons, hein. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Attends, si je fais 2... 3... Pas loin. Tiens, pourquoi est-ce qu'il m'annule, là? Pas de sucre. Pourquoi est-ce qu'il m'annule le 3, là? Est-ce que c'est parce que je ne peux plus faire le 3 parce que j'ai pas le 1 et le 2? Ça ferait 10 si on n'a pas le 10. Je peux pas. 6. Si je mets 6 là, ça fonctionnera pas. Elles doivent se toucher. Ouais, je peux pas. Je peux pas choisir. Je peux pas arriver là et choisir une au bout après quoi. Il faut qu'elle. Faut que ça fasse un chemin, ouais. Donc là, le 6, si je mets le 6 là. C'est mort. Là, je suis mort, peu importe. Là. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas aller là aussi? Là, je peux pas avancer là, par exemple. Fais en diagonale. En diagonale où? Enfin, un truc qui... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah oui. Non, mais une seconde, on se calme. J'essaye aussi, hein. Faut essayer de toute façon. 7 à gauche en bas, mais faut le 6 avant. On peut faire ça comme ça. Et si tu mais ça marche pas. Coup. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il veut pas. C'est pas ça. Si je le prends par là. Ça marche. Ok. Donc 4.
5. Donc si je mets 4 là, si je mets 4 là, ça ferait 7 ici. 4, 5, 6, 7. On peut faire ça comme ça. Ah mais je peux pas mettre le 4 là. Je peux pas mettre le 4 là, je peux mettre le 4 ici en fait. Je peux uniquement mettre le 4 là. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est complètement con, ça revient exactement au même. Pas forcément, parce que vu que t'es obligé d'aller de 1 à 9 pour les chiffres, ça veut dire que si tu commences là, le 9 il va pas finir là, tu vois. Ouais, non, si t'as raison, ouais, ouais je sais pas. Franchement, je sais pas. 1, 2, 3, 4. 5. Ça peut pas marcher. Si tu ne l'avais pas du premier coup. 1, 2, 3. Ça dépend où est le égal. Bah on a dit que c'était là hein. On a dit que c'était là hein. C'est ce que tu disais Kikinette. Je suis parti là dessus moi. Après ça peut être différent suivant la ligne aussi hein. De toute façon on peut pas là. Non je peux pas là de toute façon. 3 là. 4. 5. Si ça va marcher. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. 4. Bah pourquoi ça marche là? Et 2, 5. Nana et 4, 1. C'est une supposition, ça peut être en bas. Je suis pas défendu. Ouais, non, mais je sais bien. What? Donc là. Donc du coup, là, ça foire un peu l'idée là. Ah. 5. Si tu ne l'avais pas du premier coup. Je me demande si je vais pas retourner sur mon idée de. Il ne faut pas mettre certaines couleurs sur les côtés en fait, sur les coins. Parce que là, le 6, il est obligé d'être là. C'est pas ça, Karl. Trois. Pas loin, mais pas dessus, sucre. 1, 2, 3. 4. 5. 6. C'est pas ça, Karl. 1. Pourquoi on peut pas aller là comme ça alors que si je prends par là on peut. 4, 5, 6. Je suis sûr que c'est ça, il faut trouver le zombie légal. Peut-être. Mauvaise piste peut-être. Ouais. Alors après on peut demander des indices. Mais bon. C'est pas ça. J'ai l'impression qu'il veut pas qu'on mette cette couleur là à des endroits particuliers en fait. Pas loin, mais pas dessus sucre. Si tu ne l'avais pas du premier coup. Ouais, pourquoi? Ça aussi, je comprends pas. Je peux partir en ligne comme ça, ici, mais pas là. Il n'y a pas de logique, pourquoi?
Bon, ça, des mélanges de couleurs, mais ça marche pas non plus. Ah, c'était pas con. Si je pars de là, je peux pas non plus. Si je pars de là, je peux pas non plus. Là, je peux pas aller là. Je peux pas mettre un 2 ici. Mais je peux le mettre là, comme ça. Sept. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Ça, 10, 11, 9 et 6, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas ça, Carl! Je comprends pas pourquoi ça marche. Je comprends pas. C'est ouf quand même. Voilà, c'est ce que je reproche à ce jeu-là, c'est que il faut non seulement il faut trouver résoudre l'énigme, mais en plus il faut comprendre quelles sont les règles du jeu en fait. Genre le précédent par exemple, il fallait comprendre qui jouait contre nous. Et c'était pas certaines des réactions qu'il y avait, c'était pas parce que on faisait une action ou une autre, c'est vraiment parce qu'ils jouaient contre nous, quoi. Pas loin, mais pas de sucre. C'est pas ça, Carl. Bah voilà, ouais, pareil, Kashka. C'est non, pas j'ai déjà fait ça. Tac, 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 tac. Non, on peut pas. Là, on peut pas. Là, on peut pas. On est obligé de le mettre là, mais ça marche pas. Là. C'est pas ça, car... J'ai l'impression que le 6 et le 7 veulent pas être à certaines positions, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des chiffres ou des couleurs qui ne veulent pas être à certaines positions. C'est pas ça. Mais en même temps, non, c'est pas ça. Parce que là, ça marche. C'est ouf. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a vraiment une logique en fait derrière le truc? C'est probable, Jeuneniel, qu'il y en ait une. C'est probable qu'il y en ait une. Il n'y en avait pas sur le puzzle d'avant, tu me dirais. Hein. Il n'y en avait pas du tout sur le puzzle d'avant, à part le fait qu'il fallait savoir qui jouait après nous et que quand on activait une pièce, ça activait ce qu'il y avait autour de nous. Mais il y a quand même une certaine logique, tu vois. Après, c'était un petit peu du random en fonction de ce qu'il faisait. Donc je pense que là, il y a une logique, effectivement. Il y a une règle, il y a une règle du jeu, en fait. Mais, il faut qu'on la capte. Et pour la capter... Tu es à la 8e boule et tu ne le sais même pas. Pour la capter... Merde. Pour la capter, je peux Vas-y, cliquer sur un indice. Remulez. Je peux pas utiliser un indice sur un truc comme ça jusqu'on ait la règle du jeu, justement. Bah ouais, c'est ça le problème de ce jeu. C'est que t'es obligé, en fait, quelque part... On peut le faire, regardez. J'y vais. Remplace les 9 boules blanches par les boules numérotées dans l'ordre. Super. Super. Merci. Je pense qu'avec ça, on a tout, on va y arriver. Le fait qu'il y ait l'œil bleu et l'œil marron,
C'est juste pour différencier que tu mets le pointeur sur une autre, sur une boule qui est différente. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Enfin, je pense. Ok. Un autre ? Il y a des lignes d'influence cachées entre les boules. Trouve-les et tu pourras résoudre cette énigme. Voilà. Donc ça, on le sait aussi. Mais en gros, voilà, enfin, c'est, ça confirme ce que disait, ce que pensait Kikinette, qui était qu'il va falloir... Faut, l'addition n'est pas forcément à l'endroit où on pense, et que c'est pas forcément une addition. Ça peut être des couleurs. Peut-être qu'il va y avoir... Donc il y a une vraie logique, ouais. Peut-être qu'il va y avoir, comme Kashka pensait, une addition de couleurs. Genre vert égale... Enfin, jaune plus bleu égale vert. Mais qu'en plus, dans une autre ligne, il va y avoir une addition normale. Hein ? Voilà. Mais ouais, avec ce jeu, j'ai arrêté de me prendre la tête sur ces indices que j'ai... Enfin, c'est ce que disait Avia dans ses souvenirs. C'était un truc, il faut demander des indices parce que sinon tu peux pas... Les couleurs, je ferai ça. Bon, on va voir si je fais ça. Parce que là, on a vu que ça fonctionnait. Je fais le max possible. On a... Eh ben non, vous voyez le vert. Alors, est-ce qu'il faut que les deux bleus soient côte à côte, peut-être ? Est-ce qu'il faut... est-ce que cette couleur-là, c'est rouge plus bleu ? Ça peut être une addition, une liste, restriction, n'oublions pas les multiplications. Ah, ça peut être une division aussi. Hein. Je suis sûr qu'il serait même capable de nous mettre une racine carrée. ça peut être aussi un vortex de couleurs. Hein ? Ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, après, il y a peut-être un autre indice après qu'on pourrait demander. Le 8 noir... Le 8, il est noir. Ouais, il est noir. Et le 9, je sais pas. On l'a pas sorti, forcément, pour l'instant. Le 8 est noir, ouais. Donc, mais après, je pense que les lignes, c'est en fonction des boules, effectivement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de logique, des fois, qu'on voit pas la logique. Pourquoi est-ce que, quand on commence à faire 1, 2, 3, on peut le faire ici, mais pas là, par exemple. Donc, bleu et violet... Alors, a priori, c'est l'addition des deux couleurs les plus sombres, donc bleu et violet, donc... 2 plus 4 égale 8. Et nique les maths. 2 plus 4 égale 8. Non, mais là, ça marche pas. On sait que ça marche pas. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. Je faisais ça juste pour... Parce que là, ça veut dire... Ce qu'on voit là, ça veut dire que ça fonctionne. Qu'on essaie de comprendre pourquoi, là, ça fonctionne. On a 2 plus 5 égale 7, par exemple. Donc, ça me paraît logique. Et on a... 1 plus 2 égale 3. Ok. Peut-être que ça, c'est ça. Hein. Ensuite, on a... Je sais pas. Hein. Parce que 2 et 4 doivent être sur la même ligne. Tu penses ? Mais 2 et 4 ne sont pas sur la même ligne, là. Ou tu veux dire sur la même diagonale ? Peut-être que 2 et 4 doivent être côte à côte. Si tu ne l'avais pas du premier coup ! Regardez. 1, 2, 3, 4. Non. Ah, si, c'est une diagonale. Je le mets là ? Non. 2 et 4 n'ont pas besoin d'être côte à côte ou sur la même diagonale ou sur la même ligne. Ok, donc c'est pas ça. Je pense que 1, 2, 3 ne réagissent pas parce que tu peux avoir un résultat avec 2, 3 et 1. Oui, tout à fait. Pas loin, mais pas de suspense. Faut essayer pour trouver d'autres combinaisons pour voir.
que je mette le 4 là ou là, ça fait rien même. Tu ne l'avais pas du premier coup. 4, 5, 6. Six et deux et trois. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Peut-être que là, c'est une multiplication. Pire comme au pitié. Ah, disons que c'est pas pareil. C'est 2, 4, 8 sur la même ligne pour voir. Mais là j'aurais pas l'8. Mais ok, attends deux secondes. Je vais prendre des notes là. Après, c'est une multiplication, pas forcément les mêmes chiffres, quoi. Multiplication. Je suis absolument sûr que les chiffres, ça ne vaut rien. Il s'appelle comment le dev qu'on lui fasse bouffer ses boules. Jean-Jacques. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. Ah, attendez. Alors. Tu me disais que 2, 4, 8 sur la même ligne. Ouais, mais c'est pas possible. On n'a jamais réussi à mettre le... on n'a pas réussi à mettre un 8... pardon. On n'a pas pu mettre un 8 encore... il faudrait déjà mettre 2 et 4 sur la même... Attends. On peut essayer, hein. Putain, fais chier. Faut que je fasse un truc. Faire pas loin, merci. Mais pas de sucre. Donc, je sais pas, 1, 2, 4, pardon, 3, 3, 4, 5, 6, ça a pas marché. Donc, je vais mettre le 5 là. Bah, fuck! C'est pas ça, Carl! 1, 2, 4, non. 1, 2, 4, ouais, je compte bien. 5, 6. C'est pas ça. 4, 5, 6. C'est pas ça. Il veut pas mettre, il veut vraiment pas mettre les 6 dans les coins, c'est un truc de ouf. 5. C'est, on peut pas. 5, 6. Je peux pas. Je peux pas mettre le 8. 7. C'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ça fait... Celui-là, c'est une addition. C'est une addition. C'est la deuxième fois qu'on voit une addition au centre, là. Au centre. À mon avis, c'est ça. Là, c'est une multiplication. Là, c'est une addition. Je pense. Et ouais, t'as peut-être raison, Jalignel. Peut-être que ça sert à rien. Ouais. Peut-être que ça sert à rien. Sur le papier crayon, ça marche, Kashka. Donc, je suis désolé, Kikinette, j'arrive pas à mettre les 2, 4, 8 ensemble. 5, 6. Donc, il faudrait que 8 soit là. Donc 7 pourrait être là. Mais 6 x 4, ça marche pas. Ah! Si c'est 2, 8. Va te faire foutre! Non, c'est pas ça non plus, putain! Yeah.
c'est pas ça, Carl. Ouais, presque, ouais, encore presque. Sept. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? 4, 5, 6, 7. Ben non. Je suis pas toujours plus convaincu que les chiffres servent à rien. T'as essayé un serpent tout simplement? Non, c'est ça que j'ai fait. En serpent, non, en serpent, c'est ça, je l'ai fait, je le faisais tout à l'heure, ça. Pas loin, mais pas de sucre. C'est pas ça que j'avais fait. Tout à l'heure, c'était... j'avais mis le 5 ici, en fait. 7. 2 fois 5, 7. Mais là, ça fait pas une multiplication, quoi. Et si tu ça, on le fait depuis tout à l'heure. Coup. Alors, cache-toi une idée. Un milieu... Non. C'est pas ça, Carl. Je suis désolé, Kashka. Ça marche pas déjà au 2. Il veut pas mettre le 2 là. C'est pas ça. Est-ce que c'est parce qu'il veut pas mettre de bleu là? Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Ah! C'est pas ça, il veut pas mettre de bleu. Il veut pas mettre de bleu sur cette ligne là. Je me demande si j'allais lire la paraison en fait. Ok, le bleu c'est le 2 et le 4. On peut pas mettre là. 2, 3. C'est pas ça, Carl. 2, 3, 4, 5. C'est pas ça, Carl. Faut mettre le 6 là. Pas loin, mais non. Pas de sucre. Putain. Il veut pas mettre le vert là non plus. J'ai l'impression qu'il veut pas mettre le vert sur la ligne de droite. Sauf ici en fait. On l'a mis au milieu tout à l'heure. Attendez. Mes cours de graphiste ont au moins servi à faire une énigme basée sur la synthèse additive des couleurs. 3, 4, 5, 6. À mon avis, c'est ça. Il faut pas de bleu sur la ligne droite. Il faut que le 6 soit au milieu. Quand l'œil est marron, c'est bon. Hein? Quand l'œil est marron, c'est bon. Non, non, mais c'est... Non, non.
A priori, l'œil marron, tu regardes, là, il est bleu. Non, l'œil, la couleur de l'œil, c'est pour différencier deux trucs différents. Je pense qu'il faut pas se baser sur la couleur de l'œil parce que sinon, je peux dire qu'il y a des puzzles qui auraient jamais été résolus. Non. Bah, après, du coup là, ça veut dire que c'est plus bon, qu'il faut revenir. Imagine si tu devais suivre que le marron. Du coup, c'est mort. Attends. C'est pas ça, Carl. Le 7, il peut être là, mais pas être là, tous les coups. Le 7 peut pas être sur cette ligne-là, je pense. Et le 8, probablement non plus. Tu vois, regarde. Ça, c'est bleu, marron, bleu, marron, bleu, marron, bleu, marron, bleu, marron, bleu, marron. C'est juste pour différencier que t'es sur une touche ou une autre. Enfin, une touche, un endroit interactif différent, en fait. J'ai l'impression. Hein. Alors, si on fait ça... Pas par la bouche que je vais les faire bouffer les boules. Ah, je peux le mettre là. Oh, hé hey. Il veut bien que je mette le 2, là. Qu'est-ce que ça veut dire, putain? Je ne comprends pas. Il n'avait pas du premier coup. Peut-être qu'il faut pas mettre... Ok, pas chercher. Pas loin, mais pas de sucre. Là, on n'a pas fait ce... Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Ce chemin là. Pas loin, mais pas de sucre. 1, 2, 3, 4, 5, là je peux pas. 5. Bah c'est mort. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Attends, faut mettre le 6. Faut mettre le 6 au milieu. Donc je peux pas passer par le... Je peux pas passer par là en fait. Je vais passer par là. 4. 5. Sept. C'est pas ça. Ça peut pas marcher parce qu'on c'est peut plus relier après. Carl. 1, 2, 3. Ah mais là on peut plus, pareil. 1, 2, 3. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? 1, 2, 3. Pas loin. Va te faire foutre. Oh là là. Merde. 1. 1. 2. 3. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Je pense qu'il faut viser pour faire des diagonales. 3. 4. 5. Le 6, il va passer là, normalement. Voilà. Le 7, il va pas vouloir passer là parce que c'est sur la barre de droite. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? En fait, le 6, on peut les avoir là. On peut l'avoir sur la barre du milieu, je pense. Faut mettre le 6 sur la barre du milieu. Alors on a aussi pu retirer le fait que il n'y a pas on peut mettre quand même du bleu sur la ligne de droite. Va te bip bien pour bip avec du bip pour le bip l'énigme. Oh, adieu. Je comprends pas pourquoi des fois on peut pas. Parce que pourquoi des fois il dit c'est pas bon et des fois il dit rien. Juste on peut pas quoi. Je comprends pas.
c'est pas ça, Carl. Ok, vous savez quoi, on va demander Allez, la dernière énigme. Écoute ta Robin chérie, laisse tomber. Ok. Ok. Veux-tu que je la résolve à ta place? Non! Oh bah y a pas d'autre indice. L'autre indice c'est t'es vraiment trop nul. Tu veux que je le fasse à ta place? Merde. Pas loin, mais pas dessus sucre. Ah, est-ce que c'est parce qu'on peut parler de là? Non, si, on peut parler de là. Trois, quatre. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Trois, quatre, cinq. Non. Trois, oh, putain. Au milieu, je le sens bien. Attends, là où il faut pas mettre les boules, on peut prendre le problème à l'envers. Ben. Oui, bah c'est ce que j'essaie de faire un peu des deux en fait, tu vois, et... Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... C'est pas ça. Ça marchera pas parce que tu peux mettre le 2... Enfin... Regarde. Ça peut pas marcher, Kikinette, parce que regarde. Si je prends le 1 et que je mets le 2 là... Et si tu ne l'avais pas du premier coup... Va pas. Mais si je prends le 1 là et que je mets le 2 là, elle veut bien, hein. Tu vois? Donc, c'est. On ne peut pas mettre le 2 là. Avec une condition. le 4 en bas à droite, si je le remets dans une nouvelle série, il passera quand même. Bah ouais. Le 1 au milieu, tu le sens bien, toi. Pas loin, mais pas dessus, okay. Sucre. 1. C'est pas ça. Il y avait un certain nombre. Ouais, mais il y a qu'une seule combinaison à mon avis, gérable. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Je comprends pas. C'est pas ça, Carl. On peut pas faire ça comme ça. Et là, je peux pas faire ça, parce que si je mets le 6 ici, ou là... On peut pas, de toute façon. Si je mets le 6 là, c'est mort. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Le 6, il doit être absolument là, ou là. 2 en bas à gauche. Tu veux le 2 ici? On peut pas. Ou pas en commençant là. On peut en commençant là. Donc ça va marcher par là. 2, 3, non. 2, non, tu vois, parce qu'après, si je mets le 2 là, je suis obligé de passer par là. Là, j'ai pas le choix. Là, et là, du coup, ça va être 6 ici et c'est mort. C'est pas ça, Carl. Ah, tu es en train de me proposer un truc, ok, on va voir après. Kashka, ok, j'essaye autre chose. 4, là ça marchera pas. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Ah. Donc, Kashka propose 1 au milieu, 2 en bas à gauche, 3 en haut à droite. Bah, je peux pas? Ça se suit pas? Si je mets 1 au milieu, je peux aller sur le 2 en bas à gauche, ouais, mais après, pour aller le 2 en bas à droite, je peux pas. Je suis obligé de passer... Et encore, tu vois, hein, je peux même pas passer par là, a priori. C'est pas possible. Je peux passer par là. Mais pareil, après, on a le 4 et le 5 ici, obligé, et du coup, le 6, c'est mort. C'est pas ça. On peut le mettre que là, du coup. Ok. Non, je pense pas qu'il faille commencer avec le 1 au milieu. Je fais ça. Pas loin, mais pas dessus, sucre. 1, 2, 3.
3, 4. C'est pas ça, Carl. On va pas faire ce chemin. 2, 3, 4. 5. C'est pas ça. Une idée, le clavier numérique. Ouais, ok. Ok. Non, on peut pas. Je suis désolé. Direct. Je fais 1, je peux pas aller là. Non. 1, 2, tu vois, on peut pas. Ou alors, il faudrait faire en sorte de genre. Bah oui, mais non. Je peux pas faire 1, 4, c'est pas possible. Il y a Jalenial qui parlait des couleurs aussi, hein. Donc, peut-être que... Je vais revenir sur le truc qu'on peut faire, entre guillemets, facilement. Donc, je pense que le 7 peut aller sur... En fait, je pense qu'il faut, par exemple... à mon avis, le 7 peut aller sur la ligne du milieu. Le 6 peut aller sur la colonne du milieu. Uniquement. Déjà, je pense qu'on peut dire ça. Le 5, j'ai l'impression qu'il peut aller quasi n'importe où. Et là, si tu mets le 7 en bas à droite... C'est pas ça, Carl. Ouais, donc il peut pas aller sur la ligne du milieu. C'est pas la ligne du milieu, quoi. Pour moi, le 7, il va sur la ligne du milieu. Par contre, il y a un truc que j'ai pas essayé. Je vais essayer. 3... 5. Là, je peux pas là. 6. Et on peut plus là. Ah non! Le 7 peut aller là aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'on a déjà fait ça? Pas loin! Mais pas de sucre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? C'est pas ça, Carl. Si tu ne l'avais pas du premier coup. Pas loin, mais pas de sucre. On dirait que le 5 peut pas aller dans les diagonales. Ok. Ouais. La vénérance, c'est le cas de le dire. Le 7, il peut aller là ou là, en fait. Et après, c'est bizarre, parce que 2 plus 6, 8, 1 plus 7, 8, ça aurait été pas mal. Mais bon. Mais le 6 en dessous du 5. Là, on peut pas. Puis même si on pouvait, ça marcherait pas. Jusqu'à présent, le 6 ici, il a jamais marché. C'est le numéro de téléphone du boutonneux de l'époque. 4. Alors je peux mettre le 5 ici. Le 4 ici. Le 5 là. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Ouais, c'est autre chose. 5. 6, il va pas aller là. Il va pas aller là non plus. Pas loin, mais pas de sucre. 3, 4, 5, ça marchera pas là. 5. Oh, le 6, on peut le mettre là, oui, puisque ça marche. Ça marche pas dans les coins, en fait. 6. Du coup, le 7 devrait pouvoir aller fucking pas. Il devrait pouvoir aller là, le 7, putain! Ah si, je mets le 5 là, et le 6 là. Ah ben non, il peut pas. Putain, ça m'énerve, je comprends pas pourquoi.
C'est pas ça. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Le 6, on peut pas le mettre dans le coin. Si c'est le 7, ils peuvent pas aller dans les coins. Si je fais ça, ça. 7. Et le 8, en fait, faudrait savoir où on peut le mettre, le 8. Mais on n'a jamais réussi à le mettre. À le mettre. Le 8. Du coup, fatalement, on connaît pas la règle avec le 8, en fait. Loin, mais pas de sucre. 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal ça. On a pas fait ça encore. 2, 3, 5, 6. Fuck! Le 7 il va pas marcher là. C'est pas ça! 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas ça, Carl! 1, 2, 3, 4. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? 4, 5, 6, ça marchera pas. 4. 5. Pas loin! Ah bah oui! Pas de sucre! Couleur froide et couleur chaude. À chaque fois, quand on me demande quoi faire, je remets ça. Le truc, le plus loin où on a été, c'est ça. Essayer de trouver une règle en se basant là-dessus. Mais les couleurs, c'est génial, mais il a arrêté de parler, là. Il nous laisse nous démerder, maintenant. Bravo. La migraine, non, je comprends, t'inquiète, je plaisante. Est-ce qu'il n'y aurait pas des lignes ou des endroits où on peut mettre que des paires et que des impaires? Genre, non, puisque des fois ça. Non, ça marche pas comme ça. Il doit y avoir des règles où on peut pas mettre une certaine couleur après une autre. Pas une règle de billard pour les billes de départ. Ben, si, mais c'est. Enfin, moi je connais avec le triangle, mais. Le noir est au centre, quoi. Le noir est au centre, peut-être finir par le centre, avec le noir. J'ai commencé à essayer une séquence sur papier, mais il faut aucun sens. Lol. C'est pas con qu'il faille essayer de mettre le noir au centre en avant-dernier, quoi. C'est pas con du tout. Hein. C'est pas con du tout. Alors,
Bon, je suis quasi sûr que on a réussi à mettre le 6 là. Est-ce qu'on peut 5 6 peut aller là. Donc en fait voilà, je suis quasi sûr que le 6 doit aller là. Je suis quasi sûr aussi que le 7 ne peut pas être dans un coin. Je fasse une plus grande. Plus grand carré là. Le 6 peut aller là. Ok, le 7 peut aller là. Il faudrait peut-être que le 8 aille au centre. J'ai mis un truc sur les billards. Le jeu de 9. Bah vas-y, si t'as des couleurs hein, sur le. C'est possible aussi parce que. Le jeu utilise la culture générale aussi. Genre, il y avait des. Genre par exemple, on parlait du rossignol. Le rossignol qui est un oiseau mais qui est aussi un outil pour crocheter les serrures. Si je laissais ces deux-là, par exemple, c'est le laisser ces deux-là. On va. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. 5. 6, 7, 8. Je pourrais pas l'atteindre. 6, 7, 8. On va essayer de viser pour avoir le 6 ici, j'aimerais bien. Attends, bah non, mais je peux faire ça en attendant. 1. 1. 2. 3. 4. Ah merde, ça peut pas marcher comme ça. Un en bas à gauche. Attends, j'attends que tu mettes tous les trucs. Mais j'essaye un truc en attendant. Je veux pas utiliser ceux-là. Ouais, mais à chaque fois, je peux pas. Est-ce qu'il va y avoir un 8, 9. Faudrait que le 9 soit. 6, 7, 8, 9. 9. Tourner comme ça. Putain, on peut pas, chier. Je comprends pas pourquoi des fois on peut pas, ça m'énerve. Et alors, un en bas à gauche, deux au milieu en haut. Un en bas à gauche, deux au milieu en haut. Trois en bas à droite. Pas loin, mais pas dessus, sucre. Non. Niette. Niette, niette, niette. Tu l'as mis au milieu? Ah, attends. Ah! Un en bas. Un en bas à gauche. Deux au milieu en haut. Ouais. Milieu en haut. Et trois en bas à droite. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. Je l'ai mis au milieu. Bah oui, au milieu. Ouais, mais je peux pas le mettre là.
pas... Non, je peux pas le mettre là. Là, ça touche pas, en fait. Non, non, je peux pas. C'est pas possible. On peut pas sauter une boule, en fait. Tu peux pas sauter une boule. J'avoue que j'ai un peu give up, j'arrive pas à capter la logique du jeu. Bah ouais, c'est un peu... C'est lourd dingue, hein. C'est lourd dingue. Moi, j'essaie de faire des trucs sur mon... Sur mon bloc-notes. Ouais, je vois pas. T'as un autre essai, ok. Un en bas à droite, deux juste à gauche, trois au-dessus. Okay. Un. Deux, on peut pas. On peut pas. On va faire là. Désolé, Kikinette. Un en bas à droite. C'est ce que tu voyais aussi, ok. Mais là, c'est pas possible parce que... Ah, fais chier. Hein? C'est pas ça. 1, 2... 3... Est-ce qu'on peut faire... Non. 4... 5... 6... Non. 6... 7... J'ai jamais réussi à mettre le 7 au milieu. Mais bon. Pourquoi là ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Et si tu ne l'avais pas du premier coup? C'est pas ça, Carl! Aïe, 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 aïe. Et si on tournait... Je pense, de toute façon, il y a les combinaisons qu'on n'a pas fait, faut obliger. 3. Le 6, il passe ici? Putain, le 6 il passe ici. 7. Ah, mais ça passera pas là. C'est pas ça, Carl! Putain de sa race! Je peux pas le mettre là parce que sinon je pourrais pas revenir là. Ou si, je le fais là comme ça. Ah non, 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 je veux comprendre pourquoi. Je comprends pas pourquoi.
On avait dit. Ah bah oui, mais non, mais du coup en fait le 6, il peut être il peut être ailleurs que là en fait. Bon, bah voilà, mais c'est ce que je reproche à ce jeu, c'est du YOLO, c'est de la merde. Vous captez pourquoi ? Parce que je comprends pas. 5, 6, 7, 8, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il voit des couleurs. Les boules sont disposées en forme de losange avec la boule numéro 1 sur la mouche au sommet du losange, la 9 au centre et les autres boules au hasard. La mouche ? Non mais la 9 elle est pas au centre là. Partant du bas à droite, de la gauche. Non mais cherche pas, Kashkarn a réussi. Vous avez pas percuté en fait. Vous avez pas capté que c'est bon. Enfin a priori hein. Coucou Jim là-haut. J'essaie juste de comprendre pourquoi c'est bon en fait. Depuis tout à l'heure je bloque, j'ai arrêté parce que on peut finir la dernière. Mais j'essaie de comprendre pourquoi. Tu cherches là, j'ai bien compris. Vous pouvez vous réveiller là. Enfin vous pouvez arrêter de chercher pour l'instant. Ah bah ouais, ça va peut-être pas marcher hein. Mais j'essaie juste de comprendre pourquoi c'est comme ça. En fait ces deux là elles sont pas toutes les deux bleues, il y a une violette en fait, ouais. Pas percuter ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, on est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Franchement je comprends pas. Tu as eu de la chance pour cette fois. Ah oui là, oui c'est du YOLO là, monsieur. C'est du YOLO. Je ne sais pas. Bref, donc voilà, et maintenant qu'on a résolu le puzzle, on devrait pouvoir regarder d'autres choses. Comme par exemple ça. Tu voudrais plus de place. Bonne chance. Et on va se faire insulter, hein, je vous préviens. Donc ça c'est pas à prendre, peut-être pas maintenant. Peut-être un jour. Et toi, t'es le roi des... Oh, pardon. Mais c'est de la merde. Si quelqu'un a trouvé une solution sur le net qui explique pourquoi c'est comme ça, je prends. Parce que moi, pas comprendre. YOLO power. Alors, il nous faut... Maintenant, il faut a priori qu'on trouve quelle surface pour Ubu. Un art ou plus ? Et on va même lui demander plus. Il s'agit encore de deux mots à rapprocher et à déchiffrer. Ah. Donc, quelle surface pour Ubu ? Un art ou plus ? Ubu art ? Art Ubu ? Aré... Rabot ? Un rabot ? Un ra... R-A-B... Non, un ré... Un rébu ! Un rébu ! Rébu... Uré. Ah, ou plus, peut-être un... Rue... Bru... Ok. Chier, quoi. Tu te souviens de Bugs Bunny ? Ok. Donc là, il y a autre chose. Il y en a de sens. Bah, c'est bien... En fait, si ! Il y a une logique. En fait, enfin, voilà, c'est ça, Kashka. Rien n'a de sens pour le commun des mortels. Mais, quand on comprend, après, quand on nous explique, là, il y a une logique. C'est ce que je reproche à ce jeu. Et c'est pour ça qu'il faut cliquer sur les indices au final. Ouh, il y a quelqu'un ? Et là, on se fait insulter. Là, tu fais n'importe quoi !
Oh, un Blordeaux. Un vin d'Alsislis. Du vin d'Alsislis et un Blordeaux. Et du Haut-Graphix, c'est pas mal. Là, tu fais n'importe quoi. Oh, oh, mauvais coup. Voilà, donc si on clique sur les mauvais trucs, et ben et voilà, il faut trouver le truc qui est en rapport avec. Oh. Grouille, Carl, on aura réglé le problème du chômage avant que tu trouves. Mais prends la clé, c'est une clé. Si seulement t'avais de la cervelle. Putain de jeu de merde, je te jure. Pourquoi pas? D'ailleurs, j'ai aussi un très beau pont à vendre. Stoff, c'est vraiment un cauchemar, mais clairement. Prêt à hurler, Carl? Ah, si c'était si simple. Ubu, art. Et pourquoi diable devrais-je t'aider à trouver ça? T'es vraiment mauvais, Carl. C'est pas ça du tout. Mais si tu chantonnes un peu. Oh oh. Je commence à comprendre. C'est un backgammon. T'es si balourd avec tout le poids que tu transportes entre les oreilles. Vous savez quoi? Je l'emmerde. On va pas y passer 10 000 années. Mais ensemble, Ubu et A. Eh ben oui, je sais, j'ai essayé. Putain de ta race, Scrabble de mes couilles. Bru. Il y a deux U en plus. Brua. Rue. Baru. Boris. Un bruo. Qu'est-ce que c'est qu'un bruo? C'est un truc? Un bureau! Un bureau! Merci, Pomme! Bureau! Un bureau, nom de Dieu! J'ai me la hausse. Ok. Le bureau, faut trouver un bureau maintenant. Cool. Est-ce qu'il y a un bureau ici? Putain, c'est que je vais avoir une crise cardiaque à force avec ce jeu de merde. C'est un bureau, ça? C'est une table, ce n'est pas un bureau. Un bruo? Moi, je connaissais gruo, mais pas bruo. Y a pas de bureau ici. Ça? Je voudrais pas dire du mal de ta maman chérie, mais t'as peut-être des excuses. Cassons-nous. Donc il faut peut-être aller. De toute façon, on a d'autres trucs à voir dans la baraque là. En fait, je suis en train de me dire. Mais la réponse, c'est ce qui compte, c'est vrai. Ah, oh, je sais où il est le bureau, moi. Je sais où il est le bureau. Donc on a fini la game room là. Le bureau, je sais en fait. Enfin, non, c'est pas forcément ce qui compte parce que tu vois, si c'était ce qui comptait, on garderait une solution. Et on se ferait pas chier, le jeu aurait été fini il y a deux semaines. Donc c'est pas que ça qui compte. Alors, il y a un bureau, il y a une salle avec un bureau. Et c'est là, dedans là-bas. Là-dedans. Là, il y a un bureau là. Là. C'est un bureau ça? Yeah! C'est tout? Hein? Ah, ok. Suite! Sorte de problème anatomique. Alors, dans toutes les solutions, ils disent click the balls in this order et te donne la réponse. D'accord. Donc, à mon avis, il n'y a pas de logique. Ou alors personne ne l'a jamais capté. Merci d'avoir regardé Kikinette. Au moins ça veut dire qu'on n'est pas plus con que les autres.
Ok, je pense savoir. Problème anatomique, c'est on a un buste. À mon avis, c'est ça. Mon avis, c'est il y a un buste à un moment donné dans la galerie. Et à tous les coups, c'est le seul truc auquel je pense. Si, ou si ça se trouve, c'est autre chose, mais t'as mal à la tête. Je suis désolé, Jalaniel. Tu peux maintenant prendre un doliprane et t'allonger. Ok, hop. Oh oh, mauvais coup! Ok. Donc là, là, ce serait pas ça. Dites donc, dites donc, dites donc! Yes, c'est ça! Ok. Sans l'indice. Vous désirez? Je voudrais voir le docteur Morton, si c'est possible. Mais tout à fait. C'est pour une consultation? Non, je... Remplissez ça. Écoutez, mademoiselle, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment conne. Je suis la productrice d'une émission de télévision. Et j'aimerais l'interviewer. Ok. Ok. Bip bip. Bip bip. Merci. Pour la victoire, le tamouret se danse énamouré en pagne chamarré. What? Écoutez, madame, s'il vous plaît, vous commencez à me les briser sévères. Tout à fait. Pour la victoire, le tamouret se danse énamouré en pagne chamarré. Est-ce que ça serait le début Alors, genre... Tam et Namcham? Tam et Namcham. Il faut trouver... là où on était... Alors, on va regarder déjà s'il n'y a pas sur les tableaux une espèce de danse. Donc ça, c'était le satyre, hein, pareil. Donc on l'avait trouvé la dernière fois. Là, il y a Stoff, là, il y a JR de Dallas. Là, elle a pas l'air de danser le... la dame non plus. Faut trouver quelqu'un en pagne, faut trouver quelqu'un qui danse, faut trouver quelqu'un qui est amoureux. Je ne sais pas. Sinon, on peut aussi aller résoudre les autres puzzles. Hein. Puis probablement d'autres, d'autres puzzles dispo. Là. Quoique, hein, c'est pas dit, remarquez. Ah ouais, il fait tellement... c'est lui, hein. Franchement, c'est lui. Hein. Ou la salle de danse. Faudrait être à la salle de danse. Il y a probablement une salle de bal. Ok, on va retourner là-bas. Donc ça là, ça a pas l'air d'être très joyeux, ça. Je connais cette, c'est, on dirait le... Il y a un tableau avec des chiens qui jouent au poker. Hein. Alors, voilà, c'est ici que je pensais. Regardez. Je regarde le tamouris, ça existe cette chose. Bah, ça va être une danse, mais bon. Ouais, non, ok. Rien à voir avec les vins, je pense. Il n'y avait pas autre chose. Non, moi, j'ai halluciné, en fait. Ok. Et ben, on va. Ah, on a le. Quel est l'intérêt de jouer à un jeu où il n'y a pas de logique aux énigmes? On est d'accord, hein. On est d'accord, Kikinette. Sauf que j'aime beaucoup l'ambiance, les FMV, et puis c'est quand même un jeu culte, hein. C'est la suite de Seven's Guest. J'ai adoré Seven's Guest, c'est pour ça que j'étais un petit peu dégoûté par ce jeu-là, hein, en fait, mais voilà, mais là, j'ai quand même... Tu vois, je me fais... Enfin, je
me prends pas la tête non plus. C'est pas non plus affreux quoi. Sinon, voilà, je suis pas maso, j'arrêterai. Mais j'aime toujours en fait. Danse polynésienne que l'on danse à deux en face à face. Le tamouret. D'accord. La victoire, le tamouret se danse énormément en pagne, chamarré. Faut trouver deux personnes qui dansent, je pense. Je rappelle qu'il y a 9 boules. Vous venez avec moi chez le dev. Ah ouais, carrément. Je te rejoins. Donc voilà, on peut aller dans bas et dans Ednox. On va aller voir ces deux-là déjà. Allez, on va dans Ednox. Dbdbdbdb. Mon dieu, un raciste. Ok. Ah bah tiens. C'est pas quelqu'un qui... Non, ok. Parce que vous voyez, c'est peut-être ici en fait. Mais pour pouvoir le cliquer, il faut résoudre le puzzle quoi. C'est une grosse possibilité. Parce que là, on peut pas cliquer sur les tableaux et tout. On peut cliquer sur rien en fait. Là. Ah ah! Pardon? Hein? Oh non! Non, 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 non! Non, mais qu'est-ce que c'est que ce taquin de merde? On voit rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le dessin qu'il faut reproduire? Ah 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 ah! Non! Ah. Ah, c'était si simple. Eh? Ah, ok. Attendez. Il me dit pas qu'il l'a résolu tout seul. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà, merci. Je vais pas faire un taquin sans avoir le modèle. Elle est limite. C'est une lune. C'est... Ouais. C'est une lune. Ah ouais, t'as raison, c'est une lune avec des... Mais il y a des étoiles dans la lune. Ok. Allez, c'est parti. On y croit. Putain, c'est affreux, quoi. La légende raconte que les premiers burn-out ont démarré avec ce jeu. j'aurais pas de burn-out. Si j'ai un burn-out un jour, ça sera à cause du taf. Hein. Donc ouais, effectivement, c'est une lune. Et... Mais là, ça a l'air bien. Et puis en plus, ça passe 3 plombes à... Ok. Ah non, non. Hein? Je comprends pas. Oh, oh mais regardez-moi ça. Non, c'est juste qu'il y a une lumière derrière. En fait, c'est pire que tout. L'image, elle se fait pas avant d'avoir bougé les pièces dessus. Oh, c'est affreux! Ah, oh, puis la musique. C'est affreux, affreux, affreux. Mais ça va, il n'y a pas encore trop de pièces, on va y arriver. J'ai confiance. Heureusement qu'on a des téléphones portables de nos jours, hein. Parce que sinon, avant, j'aurais été obligé de décalquer le truc. Oh. La musique qui fait rien, qui sert à rien.
C'est juste un random motif. Attendez là. Ah non, ça doit aller là-bas en fait. On est bon là, on est bon sur le sur les quatre duos là. C'est juste un gros input lag, ouais c'est ça. Ouais. Enfin non, c'est juste que ouais, c'est les animations à la con. Ouais. J'avais sur la plage avec les concours Michelin des petits taquins du 22. Ouais, j'ai eu ça aussi, Kashka, mais je faisais mumuse un coup. J'ai dit c'est quoi cette merde, je les ai... je les détachais les pièces et je les remettais en ordre. Et ouais, je suis là, c'est facile ce truc. J'étais super fantasmé, on voyait 3 pièces et j'avais 5 ans. Ouais voilà. Oui, c'est dit, oui. Alors je triche. Ah oui je trichais, oui. Là oui je trichais pour le coup, c'est sûr. Je ne vois pas. Ça doit être. Ça doit être là, voilà. Mais qu'est-ce qui va. Ah bah ça va là. Ouais, voilà, c'est nickel. Et ça. Ouais, c'est nickel là. Donc ces trois là, elles sont bonnes aussi. Qu'est-ce qui va là ? Ça. Ce truc là il va où là? Ça va là. Ça va là. Arrête de faire genre tu sais ce que tu fais. Non mais si je sais ce que je fais, arrête. J'ai le modèle. I got the model. Dans ma gueule. Mais ça là, ça va là. Du coup. Ah. Kikinet, je te déteste. Je suis tout troublé maintenant. Merci Kashka. Je suis pas loin. Mais tellement loin. Ok, faut pas que je perde ceux-là donc. Et celui-là. Celui-là il peut gicler. Il faut que je mette. Ah, le problème c'est que je sais pas celui-là. Faut que je les garde à la queue le seul là. Okay. Je ne peux pas.
Non, non, je veux pas. Je veux pas, je reviens. T'as le temps d'aller faire pipi. Oh là-bas, t'as le temps d'aller aux toilettes. T'as le temps d'aller te faire une, un pot au feu. De finir tes vacances, d'aller au boulot, de revenir, d'acheter tes cadeaux de Noël, de les fêter en famille. Et là, j'aurai fini. T'as le temps d'aller en Turquie en passant à l'Australie aussi, ouais. Ah, attendez, j'ai paniqué là. J'ai paniqué. Non, mais ces deux-là, les deux nuages là, ils sont là. C'est clair. Donc ça, ça, faut que ça reste. Voilà. Il faut que je trouve. On a dit, c'était quoi? On a dit que j'en sais rien en fait. Ça, ça va là. Ok. Est-ce qu'on peut inverser cela, s'il vous plaît? Faire une rotation avec... Non. Non. Non, c'est... non, ça ne marchera pas comme ça, voyons. J'ai oublié lequel il fallait que je mette en dessous. Pas de vue. Je l'ai. Je l'ai. Ok, ensuite. Ah putain, téléphone qui s'éteint là. Celui-là, il va être. Mais il faut qu'il soit dans l'autre sens. C'est bon. Ensuite. Ensuite, ça va être. Ça, c'est tout à droite. Ils sont là. Celui-là, il va tout. Ok. Ok, je vais. On va voir. On va voir. Arrête de tricher, fais les yeux fermés. Ah! Bah non. J'ai peur. Attendez, est-ce que tu peux... Ah mais non, mais je me suis trompé. Non, 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 non. Non, non. Non. Salut Valfi, merci beaucoup pour les bits. Ouais, je me suis planté en fait. C'est pas grave, on va essayer quand même. Ce jeu satanique où tu libères Satan. Ouais. Je pense qu'en plus on devrait pouvoir avoir Robin qui résout le. Ou je sais pas qui c'est qui cause là sur le PDA qui résout le truc.
Pas très terrifiant comme jeu. Ah, mais les gens, mais arrêtez. Un jeu d'horreur, ça veut pas dire que c'est terrifiant. Un jeu d'horreur, c'est l'ambiance. Un jeu d'horreur, c'est le thème. Un jeu d'horreur, c'est plein de trucs. Mais ça veut pas dire qu'on doit flipper sa race et se chier dessus, quoi. Arrêtez. Je ressemble à rien. Non, mais je travaille dessus à Kashka. Elle ressemble à rien, mais elle va venir. Elle va venir, la ressemblance. Tu vois. Tu vas faire. Oh, putain, trop bien. J'ai juste un problème avec celui-là. Là. Celui-là, je. Merde. Je merde celui-là. Je le merde. Et m'a mis en plus en PLS que n'importe quel jeu auparavant. Non, mais il est, ouais, il est, c'est vrai qu'il est affreux. Ouais. Ok. Putain, mais c'est long en plus, quoi. Tu sais, ça pourrait être. Ça pourrait être. Hop, 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 hop. Mais non, mais non, mais non, mais non, il passe trois plombes en plus à faire coulisser ces fucking pièces de merde là. Avec la musique qui va bi. Ah, mais je me suis trompé en fait. C'est ça, hein. Je me suis trompé, ouais. C'est ce que je disais, je me suis trompé. C'est bon. Je suis mort de rire, même moi je rigole. Mais c'est pas bien de se moquer de la douleur des gens. Coucou Yannick. Ça va. On essaye d'aller. Ok. 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 Eh ben non. Ah si, peut-être. Ah non, il faudrait mettre dessus. Attendez. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et là, c'est pas bon. Mais... Mais... Celui-là, il est bon. Putain, je pensais que... T'es vraiment mauvais, Carl. Ça, c'est parce que j'ai mal pris la photo. C'est parce que c'est pas assez net. Ce n'est pas assez net. Petit taquin dans De Vinci. Ouais, non, mais celui-là, il est pire, en fait. Parce que le truc, c'est qu'encore une fois, les images, elles bougent un peu. On voit pas, en fait, ce qu'il y a dans les... Là. Parce qu'il n'y a pas la lampe. Et du coup, c'est assez... C'est assez hardcore. Mais ouais, ouais. Non, en fait, le pire que j'ai eu à faire, c'est celui de Reaper, Kashka. Je sais pas si t'étais là sur Reaper. Bon. Ok. On va essayer de le faire. Je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Mais en plus, c'est ça le pire, c'est qu'on peut pas faire des rotations. Faire des rotations de 6. Donc on va faire, en fait, on va faire tourner celle-là jusqu'à ce qu'on arrive à placer les 4 là. Ensuite, on va faire tourner celle-là jusqu'à ce qu'on place les 4 là. Et puis après, les 6 du milieu. Ah, je sais pas.
bon, ce qui est sûr, c'est que ça va là. Ah, c'est pénible, hein, parce que en plus, ouais, ça... il est où mon truc avec les nuages là? C'est ça. Ça va là. Ensuite, j'aimerais. Il faut que je trouve celle en bas à gauche. Ça, et ça me saoule parce que. Merci pour le tip pour ce bon moment de fou. Mais avec plaisir! Je le ferai tous les jours! C'est vrai en plus. Ça pourrait faire un bon film d'horreur. Le type résout toutes les énigmes du jeu de la vie. Le jeu vidéo suspect libère les enfants via un cube genre Hellraiser. Je te kisse. Moi aussi. Ok. Ça pourrait. Bon, et Valfi, désolé. Hein. Du coup, Valfi, il ose plus parler. Je suis désolé, Valfi, mais c'est vrai. Ça en fait. Il est où le truc avec mes deux nuages là? C'est pas celui-là en fait. Ça c'est autre chose encore. Putain, je le trouve pas. Ça m'énerve. Les deux nuages ils sont où? C'est pas ça. Hein. Ça. Non, ça va là. Oh là 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 là. Ok, faut que je trouve les deux nuages. Ils sont mes deux nuages. C'est pas mes deux nuages, ça. Non. Ils sont à moi, oui, ils sont à moi. Reviens quand tu seras capable. Putain. D'apparaître. Oh, j'ai cliqué par inadvertance sur la sortie du truc. Il faut pas le faire quand t'as bientôt fini. Hein. Nom de Dieu. C'est reparti. Ok. Coucou Kalimoun. C'est moche, ouais. On est d'accord. Mais ça va, j'avais pas fait grand chose, donc... Ça va encore. Comme quoi, très intelligent, on se plante parfois dans les trucs spatiaux. Ah oui, non, mais de toute façon, je l'ai toujours dit, hein, chacun a sa façon de réfléchir et est plus agile avec son esprit sur certaines logiques que d'autres, en fait. Est-ce que c'est ça? Je sais pas si c'est ça, ça a pas l'air d'être ça. Celui-là, je le vois pas, celui-là, je capte pas où il va. Ah, il doit aller en bas à gauche, celui-là. Ouais, ça doit être ça. On va essayer. Ok, mais j'ai toujours pas mes deux nuages. C'est pas grave, on va essayer quand même. Donc ouais, non, il y a des trucs qui peuvent être très faciles pour certains, et d'autres pas du tout pour d'autres, enfin voilà... Après, si je me concentre très fortement, j'arrive à ce genre de truc, mais ça reste pénible pour moi. Vraiment très, très pénible. Ça me fait paniquer de la même tard. Oui, non, mais tout le monde. Hein. Tout le monde. Je pense qu'il y a des génies qui sont des génies de certaines choses et qui n'arrivent pas à faire des trucs basiques. Hein. C'est possible. Alors, attendez. En fait, le problème là, c'est qu'il faudrait savoir la gueule que a une des pièces en étant là. Parce que vu la lampe, c'est chiant.
truc, peut-être. Pas ça. Peut-être ça. On va mettre ça là. Putain, la zic, quoi. La zic qui pète un câble, donc c'est pas ça non plus. Putain, je trouve plus les... Mais est-ce qu'ils sont reliés, en fait? Ah, ils sont peut-être reliés, là. C'est peut-être pas de nuages, en fait. C'est peut-être juste la boue du truc. Donc, on va voir. Déjà, je vais voir si... Si ça... Voilà, si ça, c'est bien là... potentiellement... Faudrait voir ce qu'on met au bout... J'arrête de rire, j'essaie d'aider... Non mais, enfin, vous pouvez pas aider spécialement avec un taquin, c'est pas gérable. C'est pas gérable... Alors, je vais essayer de mettre ça là. Je vais essayer de caser le bas à gauche déjà, le bas à gauche. Pour m'aider, en fait, il faut juste m'encourager. Hein. Et puis... Ou se marrer, ça marche aussi. Ça aide. Le rire, c'est toujours bien, en fait. Okay. Je pense que les deux en bas, à gauche, vont être... Ouais, bon. C'était pour dire que je t'encourage. Ah, ok. Donc là, voilà, là c'est nickel. Ça, ces deux-là, ils sont bien. Ok. Maintenant, je veux trouver. Donc, on sait que celui-là, il va là. Mais je vois pas celui qui est là. Ah, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de faire une suite comme ça. Attendez. Qu'est-ce qui irait après ça? Ça? Yes. Ok. Ensuite. Ça. Donc les trois là, on va essayer de pas les perdre. Les trois là, il faut qu'ils se suivent. C'est chiant, parce qu'ils changent de tronche. Ça, c'est vraiment pute. Il y a pas d'autre terme. C'est vraiment un coup de pute. Le fait que les pièces changent d'apparence en fonction de la lumière, vraiment... Ok, c'est celui-là. Ok. Donc nickel. Et ensuite, ça devrait être celui-là, je pense. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Comment on va faire? Ok. Perds pas le truc. Concentration maximale. Je mets ça là. On fait tourner ça. En espérant que ça soit ça. Ah putain, c'est pas ça. Je sais pas si c'est cette
Parce qu'on voit rien, c'est dans le noir. Ça a pas l'air d'être ça en fait. Ok, ça doit être celle-là alors. Moi je pars en Turquie en passant par l'Espagne, ça me semble bien là. Carrément. Faut absolument pas que je dérange les quatre. Voilà. Ok. Nice. Ok, c'est ça. Donc on a, en fait, on a tac, 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 tac. Les cinq là, elles se suivent. On est nickel. Si je reprends après par derrière, il me faut celle... là. J'imagine... Non. Non, non, c'est pas ça. Ah, c'est de là, là. Chier. Ok, il me faut celui-là d'abord. C'est là. C'est là. Là, ça voilà, nickel. Ok, je crois qu'on est bon là. Maintenant, il suffit juste de faire un tour. Et de faire en sorte que celle-là arrive là. Donc on peut tourner comme ça. J'espère que je ne me suis pas planté d'une ou deux. Il faut pas cliquer sur les bords. Hein. Attention, moment de vérité. Attention. Là. Tu riras moins la prochaine fois. Foiré de jeu. Au moins, il y a un taquin. Je suis sûr qu'il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux, hein. C'est pas possible. Il peut y avoir qu'un taquin par jeu. Putain, mais regardez-moi mon rythme cardiaque. J'ai le droit de boire un coup. Tu peux revenir de la Turquie. Merci, les gens. Ok, donc maintenant on peut regarder la pièce. Normalement on peut regarder tout dans la pièce. Quand tu bois trop, tu vois à l'envers, Karl. Ok, donc on était de la danse. Là, il n'y a pas une danse là. Là, on peut regarder là maintenant. Là, il n'y a rien. T'es de retour, ok, nickel. Bon, le drapeau raciste. On s'en fout. Là, voilà, c'était pas là où je me suis dit, tiens, peut-être que... Si jamais tu gagnes, tu y auras droit. Mmh. Ok, ça va l'air d'être ça. Hein. La bouteille là. Oh, on a un petit squelette. C'est rigolo. Petit squelette. Qui tient là-bas. On peut passer par la porte là. À moins que ce soit pour ressortir. Je crois que c'est ça. Hein. Peut-être qu'on peut passer par la porte en face. Je suis trompé de porte en fait. Celle-là, non? Oh, t'abuses le jeu. Bon, bah, je vois rien de. Je vois pas de danse ni de duo qui sont de deux personnes qui sont ensemble ni de pagne.
Donc on va aller voir là. Autre puzzle. Peut-être pas qu'il y a pas de puzzle en fait. On peut rien faire. Ah. Là. Caisse. Ah bah oui. Oh là là, quoi ? Des éléphants, tout ce que j'aime. Et voilà la petite merde, araignée merde. Qui descend dans le siphon. Ok. Ouais, je veux sauvegarder, ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé, sinon je vais manger mes babales. Tiens. Donnez un nom à votre jeu. Ah... Des dames chinoises. Essaye encore, Carl. Tu te rapproches. Prêt. Permute les positions des araignées marrons du haut avec les blanches du bas. J'ai pas du tout demandé ça, mais ok, ça marche, ça me va. Je pense qu'on a eu le droit. Permute les positions des araignées marrons du haut avec les blanches du bas. Alors, moi, on a la règle. Ok. Donc, il faut que les deux rouges soient là et les deux blanches soient là. Comme pour les échecs au début. Hein. Et on peut mettre où ? Genre, je peux mettre direct là ? Ok. Est-ce qu'on peut s'arrêter ? On peut s'arrêter là ? Non, on peut pas s'arrêter là. Pourquoi il y a deux positions possibles ? Ah, je peux aller là. Une par une en fait. Ah, mais j'ai foutu les deux. Ah ouais, là il y a des horizontaux, mais il y a. Okay, non. C'est des dames chinoises, d'accord. Ça se joue comme ça, les dames chinoises. On va mettre ça là. Ça va là. Du coup, tu vas là. Là, je dis là. Tu vas là. Pas loin, mais pas de sucre. Oh putain, il y a un certain nombre de coups, ça. Alors ça, je déteste. Il y a un... Attendez, on va tester. Ou alors c'est que j'étais bloqué. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6 7 8 J'ai pris une radio de ton merde. Cerveau, mais il n'est pas encore développé. Je suis trompé. Bonne soirée, c'est des bisous. Pas exactement le concept qui ressemble, d'accord, ok. Je crois que. Mais ouais, je crois qu'il y a plus de. Enfin, c'est juste que c'est en étoile, quoi. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je m'arrête avant parce que... 18, 20. Ok, donc c'est pas ça, c'est qu'on était bloqué en fait. Ok. Donc pour arriver là, donc il faut mettre les. Attendez, je vais redémarrer. Est-ce que j'ai. Il y a quelqu'un. Ah, ok, donc il faut mettre les deux blanches là. Là où il y a les œufs, ouais. Ah ouais, c'est ça. On voit les œufs blancs et là les œufs rouges en fait. Tout à fait, Kashka. Ils ont fait leurs œufs et du coup ça nous aide bien en fait. Ok, donc on peut aller là. Pour aller là, il faut. Ah oui, là d'abord, ok. Ah
C'est pas ça, Carl. Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit? Alors, attends. On croit les avoir eus, et les voilà qui reviennent. Il faut que tu gagnes. Non mais... Permute les positions ouais, des araignées compris, marrons on a compris, du haut on a compris. Avec les blanches du bas. On a compris. Tu peux te déplacer sur les lignes droites, mais seulement d'un point au suivant. On a compris ça. C'est à faire en 7 coups. Ah, voilà, j'en étais sûr. Saloperie. C'est le 7 coups qui fait chier, en fait. C'est pas le faire, parce que là, j'étais sur le point de le faire. Mais en 7 coups. Ok. 1. 2. 3. 3. Ça fait 3, hein. Elle est là. Donc ensuite, faut que je place les autres. J'en place une là. Je vais faire suivre en fait. Toi. 4. Non. Quatre, cinq, six, sept. 4. Il faut que j'ai un coup pour les placer aussi. 4. Hein. 4. Faut absolument que celle-là elle bouge. 4. Est-ce que ça va bien, Toulouse? Bonsoir, Toulouse. Toulouse va bien. Est-ce que Avia va bien? Ok. Oh. Pardon. Oh. Donc, on est à 3. 3. Là, je peux pas les bouger, celle-là. Non, je peux bouger celle-là, mais ça sert à rien. On va placer ces deux-là. Toi, tu peux aller là. Uniquement. Toi, tu ne peux aller nulle part. Donc, ça veut dire, ok, 4. 5. 6. Ouais, c'est mort. C'est mort parce que... C'est mort. C'est mort. Donc, 5. 5. Ça, je me lève, j'avais froid, je m'étais mis au lit sur la TV et tu t'es endormi. D'accord, ok. Ah bah, t'as loupé pas mal de trucs, en fait. Ouais, chauffe tes neurones, ouais. Donc, on doit faire ça en 7 coups. Il faut mettre les deux blanches là et les deux rouges là en 7 coups. On peut en 4... Ah, c'est ce qui... C'est quand même... Attends, mais... Comment c'est possible? Comment c'est possible? Sachant que... Il y en a 4. Donc ça veut dire... Non, ça veut dire qu'il faut bouger. Il faut en bouger... Elles ont toutes le droit de bouger au moins une fois. Non. Toutes sauf une peuvent bouger deux fois. Elles peuvent toutes bouger une fois. Mais il y en a une qui ne doit bouger qu'une fois. Mais s'il y en a une qui ne doit bouger qu'une fois... Ça veut dire qu'elle est déjà en face de son nid. Mais c'est pas le cas. Donc il y a un truc que je loupe.
Ma logique est logique, là. On a 7 coups et 4 éléphants. 7 coups, 4 éléphants. Ça veut dire qu'ils peuvent tous bouger une fois. Et après, il n'y en a que 3 qui peuvent bouger. Ah, non, ça veut pas... Si. Vu qu'il n'y en a aucun qui sont déjà sur leur nid, il n'y en a aucun qui sont déjà... qui sont à portée de 1 de leur nid. Donc, je comprends pas. C'est forcément faisable, parce que sinon... je ne mettrai pas là-dedans, mais... Tout bouger une fois, mais pas deux fois. Tout bouger. Lol. Mais qu'est-ce qu'il dit, le streamer? Il va bien. Ah non, le streamer, il vient de résoudre un taquin. Alors, je vais te dire que le streamer, il en a... j'espère qu'il y a... Encore une fois, j'espère qu'il n'y a qu'un seul taquin dans ce jeu. Bon, allez, on va YOLO un petit peu, là. On va YOLO un coup. Il en aurait bien besoin de chatounet qui nous pourrait résoudre le truc. Du chatounet, tout à fait. Ah mais le chat avait beaucoup aidé. Tout à l'heure, Kikinet et Kashka sur une énigme billard. S'ils sont plongés à corps et âme. À corps perdu, pardon. Ou corps et âme, mais pas à corps perdu. Si, à corps perdu, mais pas à corps et âme. En fait, elles sont quasiment toutes en face en un coup, ouais, c'est ça. C'est pas ça, Carl. Viviolo depuis le début quand même, elle qui... Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux Pense 7 coups à l'avance avec ça. Enfin, YOLO, oui et non, parce que de toute façon, il y a beaucoup d'essais-erreurs, donc oui. Enfin, c'est YOLO parce qu'il n'y a pas le choix, des fois. Pouette, pouette, pouette. Tac. Non. Tac. Si on met celle-là là. Celle-là, là. Elle est prête à aller là. Ensuite, il faut placer les autres aussi. Mais il va falloir le faire une blanche, une rouge.
Ok. Le problème, c'est qu'elles sont opposées, là. Donc, si, parce que celle-là peut aller là. Ensuite, celle-là devrait aller là. Ah, c'est ça. Il faut le faire... faire avant. Mais ça revient au même. C'est le problème. C'est mort. C'est pas ça. Donc tac, on la place. Ensuite, on place un rouge. Genre, potentiellement là. Celle-là. Ou alors non, alors faut pas placer le rouge là, mais plutôt placer le rouge. Putain, c'est 7 coups, c'est chaud. Putain, je vois pas le. Si je place le rouge là, les deux sont en opposition. On suit les fils. Blanc, rien. Blanc, rien. Rouge, rien. Rouge. C'est bon là ? Bah non, je vois pas en quoi c'est bon. Fallait tout aller dans la même direction à chacun leur tour. Ah non, non, mais on n'a pas assez de coups pour faire ce que vous voulez faire. On a bougé un coup déjà, il nous reste 6 coups. Hein. Je crois que c'est ça, hein. J'ai bougé celle-là de là. Celle-là ici, comme ça elle est placée. On est d'accord. Elle est placée pour là. Mais après, celle-là, faut que je la bouge là. Elle est pas du tout prête d'être placée après. Ou alors je bouge celle-là là. Non, ou alors je bouge celle-là là. Elle est pas prête d'être placée non plus. C'est le problème, c'est que... Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Celle-là, là... Ouais, mais je viens de l'amener. Elle était là, à la base. Hein. Ah, les blancs commencent sur les rouges, et les rouges commencent sur les blancs. Tu vois, donc on a fait ça. Sinon, c'est celle-là. Mais on a fait ça tout à l'heure. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, c'est que voilà, je peux la bouger que là. Du coup, je peux bouger le blanc là, on est d'accord, mettre sur le... Y'a pas de souci. Et ça, et là, voilà. Je peux plus la bouger, celle-là, puisqu'elle est bloquée. Coucou, Philou. Ouais, l'ambiance. Eh bah ouais. Comme d'hab, hein. Le mois de l'horreur. C'est pas ça, Karl. Là, on peut placer...
là. Et rouge là. Le problème, c'est qu'elles sont en face. Donc ça veut dire que je peux bouger blanc là ou blanc là. On va faire celui-là, par exemple. Ensuite, on place un rouge. Hein ? Mais après, les deux blancs sont en opposition, sont bloqués. J'ai oublié ce schlag qui te saoule. Non, non, mais... Le jeu est cool. Mais c'est vrai qu'il est... C'est pas facile. Donc là, c'est mort. Je merde. Je vois pas comment faire plus simple. Bon. Alors peut-être que le principe c'est de pas les placer quoi. Mais si on les place pas un minimum, on a pas assez de coups quoi. Donc je la mette là. Place celle-là là. Si je place celle-là là, le blanc ne peut plus bouger. Donc il faut pouvoir sortir le blanc avant. On place ça là. Là, elle est placée. C'est mort. C'est mort. Dommage, mais c'est mort. C'est pas ça. Plutôt que de... Je pense que ça doit être un troll, en fait. Ça doit être un piège, le fait de... On les place. On va essayer de les mettre justement là pour pas les placer. On les place pas. Mais... Du coup... Enfin, on en place pas. On place pas la première, en tout cas. En fait, on peut pas placer... Ah si. Hop. On ne peut plus la bouger celle-là. Hop. C'est le même principe que les coups des bouquins de tout à l'heure, en fait. Enfin, tout à l'heure, au début du jeu. Enfin, le même principe. Je peux comprendre. Il faudrait pouvoir mettre... Alors, si on veut là, c'est soit là. Oui, c'est là, en fait. Pas de choix. Il y a vraiment pas... Oula. Mais là, ça me fait faire 1, 2, c'est hard. Du premier coup.
Il reste plus qu'un coup là, c'est ça? Si tu ne l'avais pas du premier coup. Je peux même pas le faire. Je peux même pas le faire en 7, je peux pas le faire en 8, je peux pas le faire en 10. Enfin, si, je peux le faire en 10. J'ai l'impression. Mais pas en 9, pas en 7, 8, 9, je vois pas. Je vois pas parce que. Puzzle, c'est mettre les rouges en bas et les blanches en haut. C'est ça. Faut que chaque éléphant soit associé à son sac d'œufs, en fait. Tu vois ? C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Y a forcément un truc. Oh. Non. Tu vois la couleur des éléphants là, c'est rouge, deux rouges. Ils sont sur les œufs rouges. Et là, les éléphants blancs sont sur les œufs rouges. Il faut les inverser, quoi. C'est pour ça que quand je dis placer. Puis là, par exemple, là, si je le mets là. C'est là où je dis il est placé pour aller vers les blancs. Tu vois mais du coup, t'es obligé de bouger ça. Alors, peut-être qu'il faut pas bouger ça de suite. Peut-être qu'on doit bouger ça. Peut-être qu'on doit placer un chac. Comme ça. Mais là, le rouge est bien placé pour aller sur les rouges. Placer sur les blancs. Faudrait bouger. Celui-là, on peut le mettre que là. Celui-là, on peut le mettre que là. Mais il faudrait bouger celui-là. On peut le mettre là. Tac. Non, c'est mort. Putain, c'est d'une mortitude. Non. Merde, je suis sorti encore. Putain. Saloperie. On va y arriver de toute façon au fur et à mesure, hein, à force d'essayer. On arrive à en mettre 2 sur leur couleur, même pas 3. Alors pour en mettre 4, c'est hardcore.
Ah. Oh, ok. Ceux-là... Ah, d'accord, il faut voir les... Ok. Les fils, là, ça relie du blanc et du rouge. Blanc, rouge. Je vais faire ça, là. Ah mais pareil. Pareil. Il ne reste plus qu'un coup. Hein. Les formes blancs de droite à gauche. Je... Merde. Pas loin, mais pas de sucre. Pas loin, pas loin. Annie, comment éléphant blanc de droite, comme ça là. Et après, hop, on peut la ranger comme ça. Hein. Après, il reste pas. Il reste c'est plus qu'un coup. Ça, je pourrais avoir la même que le dev supplé, c'est à la de la bonne. Lol, kikinette. Tu te rappelles un pote, ce gars? Bah, fous-lui des baffes de ma part si jamais tu le croises, parce que il est super lourdingue. Super lourdingue. Non, mais c'est ça que je comprends pas en fait. On a 7 coups. 7 coups, ok. On a 4 éléphants. 7 coups, ça veut dire que il y a 4 éléphants qui peuvent jouer une fois. Et 3 éléphants. Et 7. Et 2 éléphants qui peuvent jouer 2 fois. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 qui doivent être placés en un coup. Or, c'est pas possible. Parce que, ne serait-ce que faire ça, et après, mettons, on la range là, ça fait déjà 2 coups. Fait 3 coups pour en placer une. Quatre. Cinq. Six. 7. C'est pas ça. C'est de la merde. Ah. Non mais il est même pas placé, ça peut pas être ça. Reporter déconcerté par la logique, séance à 11h. On a placé un rouge, un blanc. Ensuite, je peux pas placer un autre blanc là, parce qu'il y a ça. Mais lui, il va falloir qu'il bouge. Pareil là, en fait.
déplace les œufs. Dommage, bien tenté. Oh Dieu. En fait, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'elles peuvent pas se croiser. Là, il faudrait qu'on puisse les croiser. Mais c'est pas possible. La nature, ils retrouveraient leur chemin, non mais oh. J'avoue. J'avoue. Mais grave. Donc c'est pas possible. Dis-le au dev. Donc c'est possible, pardon. Attends pour moi. Bah là, pour moi, c'est pas possible. Pas du premier coup. Je ne vois pas ce qui je vois pas, je vois vraiment pas, je vois vraiment pas. Si seulement t'avais de la cervelle. Le truc, il y a un truc, il y a forcément un truc. Comme avec les boules de billard, il y a une seule combinaison, je pense. Je vérifie. On peut aller là. On peut aller là. Est-ce qu'on peut s'arrêter au milieu en fait? On peut pas s'arrêter au milieu, on est d'accord. Il me semblait que tout à l'heure je pouvais. J'ai enchaîné tout à l'heure au tout début. J'ai l'impression qu'on pouvait s'arrêter à l'intersection, mais apparemment pas.
Les chemins font des triangles, ouais. Carrément. Et tu peux voir d'ailleurs que ça fait blanc, rouge. Enfin, c'est des triangles. Ça fait des triangles, mais ça se déplace en même temps. Je fais tout le temps le même truc en fait. Ouais, c'est compliqué, je vois. J'ai vraiment pas de. Je vois vraiment pas de. Je vois vraiment pas de. Comment faire. Et si tu ne l'avais pas du premier coup. Le truc qui est ouf, c'est que en yolotant comme ça, tu te dis qu'on aurait peut-être réussi à faire mieux. Tiens, est-ce qu'il nous donne une autre. Et voilà la petite araignée qui descend dans le siphon. Donc, la position des araignées marron du haut avec bas. Ok, on sait. Tu veux déplacer sur les lignes de droite, mais seulement d'un point au suivant. On sait. C'est à faire en 7 coups. Un coup est terminé quand une autre araignée est sélectionnée. Ouais, d'accord, ça veut dire qu'on peut, on a le droit à l'erreur du coup. Veux-tu que je la résolve à ta place? Non. Ok, donc rien de plus que ce qu'on savait. Parce qu'en fait, on peut faire ça. Et la remettre à la place, quoi. Ah Est-ce que ça change un truc? T'es moins dégourdi qu'une fiente d'oiseau. Ah, mais d'accord. En fait, ça veut dire qu'on peut lui faire faire deux chemins. Deux. On peut la faire bouger deux fois. C'est ça. On peut faire bouger une araignée plusieurs fois, en fait. D'accord. Ok, donc, si par exemple... Ouais, mais alors, attendez, non, il faut... Ouais, mais c'est compliqué vu qu'il y a toujours une araignée qui va bloquer, là. Toujours une araignée qui bloque. Mais c'est peut-être comme ça qu'il faut résoudre, effectivement. Ce truc de résoudre l'énigme, par moi, par machin, j'ai souvent mes clics. Je comprends, franchement. Je pense que j'aurais été gosse, je l'aurais fait aussi. J'ai jamais joué étant gosse, j'ai joué à Seven's Guest. Tac. En fait, ça nous aide pas. Ça nous aide pas plus que ça, en fait, Kashka, malheureusement. Parce qu'il y a toujours une araignée qui bloque. Si je fais ça, par exemple, je peux la faire bouger ailleurs, on est d'accord. Mais je peux la refaire bouger que en arrière. C'est ce que je veux dire. Donc il faudrait... Par contre, elle, je peux la faire bouger. Ah! Par contre, elle peut bouger.
deux fois. Et gratos. Donc ça fait deux. Donc 1 2. Ah ouais, c'est vraiment salaud en fait de pas le savoir. C'est vraiment salaud de pas le savoir. Ça fait 4. Putain, c'est chaud. Ouais, c'est pas gérable. Coucou Archie, merci beaucoup pour le raid. Comment vas-tu ? De résoudre le problème, hein. Ah, c'est galère. Moi, c'est un peu moins galère après en sachant qu'on peut faire qu'un coup peut faire plusieurs déplacements, mais paraît simple, en fait, c'est hyper chaud. Ouais. Comment vas-tu, Archie? Ça fait longtemps que t'as pas vu. Bienvenue. Ok. Parce que le truc, c'est que là, en fait, faudrait que je libère des places au final. 1 qu'on peut faire 1 tac tac, tac. C'est chaud, ça va pas faire assez. Ça va pas faire assez. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Ma foi, pas mal, je sors de Dead Space 2. J'aime beaucoup plus que le 1, beaucoup plus agréable le jeu. Ah, il est mieux le 2. Ah, il est mieux le 2. Tu verras le 3. Bon, je te dis rien.
Nostalgie, ce jeu comme Seven's Guest, ça me remémore une époque où je regardais ma grande sœur faire les point and click après ma partie de Duke Nukem. Cool. Et ouais, 11th Hour. Mais il est plus chiant que Seven's Guest. Hein. Bien plus chiant. Du coup, il n'y a qu'une seule solution en plus. Ouais, je pense aussi. Et ouais, ouais, Dead Space 2, c'est mon préféré, clairement. Très clairement. Oh. Oh. Pardon. Il faut résoudre ce puzzle en 7 coups. Sachant qu'on peut déplacer un éléphant de plusieurs cases s'il y a moyen, en fait. Tant qu'on ne sélectionne pas un autre, en fait. Donc en fait, il faut essayer de les avancer le plus possible pour profiter de cette règle-là, quoi. Ce que j'essaie de faire. Je vais peut-être les mettre à la queue le comme ça. Perdu. 1, 2, chiottes. 1, 2, chiottes. Ça va être le dernier là. Et si tu ne l'avais pas du premier coup? Vache de merde. Ah, c'est mort. C'est mort, on est bloqué là. Cherche encore, Carl. Même un cochon aveugle peut trouver une truffe, quelquefois. Je pense qu'il faudrait pas que je le fasse sur papier avant. Regarde. Là, dès le début, on peut pas utiliser la règle parce que ça bloque à chaque fois en fait. C'est de les mettre à l'écart. Tac.
Ok, hop. Ah. Ok. Je crois que j'ai trouvé un truc là. Yes. Ok. Je sais pas combien il reste de coups. Mais c'est la première fois qu'on arrive à en placer 3 sur les 4. Donc il faut que je mette... Ok, j'espère qu'il me reste 2 coups. Yes. Yes, 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 yes. Tu as eu de la chance pour cette fois. Oh. Ok. T'es qui, toi? Bonjour. Le squelette ne veut pas de toi dans la baignoire, Carl. On n'a pas le droit d'aller dans la baignoire. Ça, c'est un rasoir. T'es prêt à pousser le bouchon trop loin, Carl? Ok. Cette musique m'énerve. T'avais déjà des problèmes avec tes cubes quand t'étais gamin? Tu joues avec le feu, imbécile! Déjà, il y a From the Darkness. J'ai dehors un effrayant pour une, dans une maison pour 6,80. Ah, très court. Ouais, 6,80 pour 2 heures de jeu. Je sais pas si c'est ultra rentable, au final. Tu me casses les pieds maintenant. Va-t'en. Bon, je rappelle qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui danse, quelqu'un en pagne. Là, tu t'es fait avoir, pas vrai? Ouais. Complètement à côté de la plaque. Trop de pression sur ta petite cervelle. Un canard. Coin, coin. Tu pourrais réfléchir un peu, non? T'as envie de gifler Stoff, hein, moi aussi, ouais. Ok. On va sauvegarder, tiens. Sinon, histoire de pas avoir à le refaire. Ça serait bien. Zoupla. Ah bah, Zoupla, ça marche aussi, en fait. Essaie encore, Carl. Tu te rapproches. Ok, donc là, on a tout résolu. Là, on a tout résolu. On n'a pas été à la chapelle. Merde. Sur les tableaux, elle dansait les silhouettes. Peut-être. Attends. Sur les tableaux qu'il y avait là, à l'intérieur. J'ai essayé de cliquer dessus. Toi, d'aller voir dessus, on pouvait pas. Peut-être que j'étais dans le mauvais angle. Ils sont là. Pas cliquer dessus, en fait. C'est dommage. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu, mais non. Dommage. Donc je disais, c'est quand même con, ce truc a l'air de danser dans la salle, tu peux pas y toucher. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Ah, on peut aller là. Pendant les... On peut aller là-bas. On peut aller là. Bah, non, c'était bien. Tac. Voir, hein. Dans la salle à manger. Quelqu'un qui danse, quelqu'un en pagne.
Il y avait un puzzle avec le gâteau ici dans Seven's Guest. Il m'a marqué quand j'étais gosse. Que les reporters n'ont pas grand chose dans le cerveau. Et pas une salle de musique. Si, mais je crois que je peux pas y aller. Il y a peut-être mieux à faire pour trouver. Faire tourner les tables, jouer aux devinettes, tirer les cartes. Tableau. Nature morte. Pas l'air d'avoir grand chose qui danse là. Là pour le coup, il a pas tort, suffit de voir BFM TV, les reporters n'ont pas grand chose dans le cerveau. Allez, bim. Il y avait une autre salle. On a tout fait là. La chapelle. Oh, vous savez quoi ? On va pas se faire chier en fait. Merde. Pour la victoire, le tamouret se danse énamouré en pagne chamarrée, parce que si ça se trouve... Si tu ne trouves pas, c'est que tu en as trop pris, mon cher. De la drogue ? De l'alcool. Regarde sous ce pagne chamarré. Ouais. Bah oui, ouais, ok. C'est un pagne ou quelqu'un qui danse. Un pagne. C'est dans une chambre, il y a peut-être une fringue quelque part. La salle de musique, je crois qu'elle est par là, en fait. Elle est là. Mais, a priori, on peut pas y aller. Tiens, music room, on peut pas y aller encore. C'est pas parce que les portes sont ouvertes qu'elle est ouverte, en fait. Ce qui est un peu con-con, mais bon. Et chamarré, ça veut dire quoi ? C'est comme Mordoré. Un pagne. Oh, j'ai une idée. On va aller voir dans le genre. C'était pas là ? C'est là ? Non, c'était pas là. Tiens là, y a pas un pain là-dessus hein ? Allez, avance ! Trop de mariages consanguins dans ta famille, mon pauvre Karl. Faut être trépané pour ça. Plein de couleurs, ok, on est d'accord. Un pagne chamarré. Non, vas-y, il y a un puzzle ici, je sais même plus. Ah oui, c'est le fucking miroir là. Pourquoi je peux pas regarder le tableau là? Tu ferais mieux de faire une réussite. J'ai envie de jouer à Ultima 8. Je sais pas pourquoi. Tu abandonnes déjà complètement à côté de la plaque. T'es moins dégourdi qu'une fiente d'oiseau. Alors je peux plus aller dans l'autre pièce en fait. Sérieux?
C'était où? C'était là, en fait. Non, c'était Brian Dutton. Non, c'était là. On devait pouvoir y retourner, donc c'était là, à gauche. Là, il y avait du bordel. Peut-être un pagne, quelqu'un qui danse. Là, il y a un tab... Oh non, ta race. Ok. Il n'y a pas de pagne ici. On pouvait pas regarder ça avant. À ce rythme-là, c'est Robin qui va te sauver la peau. Ça sent le puzzle là aussi, mais on peut pas le faire maintenant. Ok. Oh, on peut regarder des trucs. Je commence à comprendre pourquoi t'es si lourd avec tout le poids que tu transportes entre les oreilles. Tu crois que PPDA aurait fait cette bourde? Vous pouvez pas regarder tout ça avant, marrant. Tu es en train de jouir, Carl, ou tu t'essouffles? T'es en train de jouir, Carl, ou tu t'essouffles? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une bougie, pardon. J'ai pris une radio de ton cerveau. Je croyais que c'était un alien. Mais il n'est pas encore développé. Courage, Carl. Tu trouveras la solution là où tu regarderas en dernier. Il y a des punchlines qui sortent de nulle part, quand même. Ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. Bon, le laboratoire. Il y a un pagne quelque part. Bonjour, je cherche un pagne. Non. Un chamarré, même. Et non pas un pagne avec un motif d'un chat qui se marre. Hein, attention, hein, c'est pas pareil. Il y a un pagne là-dessus, là. C'est un pagne, ça. Il y a peut-être mieux à faire pour trouver. Faire tourner les tables, jouer aux devinettes, tirer les cartes. Fermer sa gueule. Putain. Il n'y a pas de pagne ici. Hein. Je cherchais, mais... Champagne ? Champagne ! Oui, on sait déjà qu'on pouvait faire, mais c'est bizarre. Pagne, Pourquoi bip 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 ? Désordre dans une rue de Dublin. Attendez, je l'ai réussi le truc ? En cliquant sur la bouteille de champagne ? Pagne ! Champagne, je déconne ! Et en plus, c'était le même objet que qu'une des énigmes d'avant. Je sais pas, il est pas rattrapable ce jeu, c'est pas possible. Pas lui ? Bah pourquoi ça a changé d'énigme alors ? Un chien ? La rue, tout ça à Dublin. Un chien irlandais ? La rue, c'est street, bien sûr. Mm-hmm. Ça peut pas être ça. La rue, c'est street. Bah oui, mais qu'est-ce que... Ça veut dire quoi ? Il faut que j'aille... dehors. Franchement, je sais pas ce que tu veux me dire là. Ça fait 7 heures, bien entendu. Faut que je trouve un chien, un 7 street, parce que c'est... ok, d'accord, c'est un anagramme de street, 7 heures. Donc faut que je trouve un 7 heures irlandais, c'est ça? Ok, bon. On avait vu des chiens qui jouaient...
J'étais assis autour d'une table. J'avais fait la réflexion et le chien... Je sais plus où c'était par contre. Pas dans la salle de bain, dans la salle de jeu. Ah là 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 là, je vous jure. C'était un Irlandais. Merci. Mais entre nous, docteur, ça vous a fait quelle impression ? Ben, je peux vous dire que c'était moche. Vraiment moche. Ah ! Allons, allons. Ah, j'ai mal ! Fais quelque chose ! Ah, je comprends, ouais. Je comprends qu'elle est mal. Ok. Donc c'est celle qui avait la main, la prothèse de main. Donc après... Ok, tes souhaits. Mais pourquoi il le lit? Ah. Enfin, ça a été là, je crois. Sinon, je vais perdre. Je vais sombrer dans la folie. Ah. Oh. Ah bah... Essaie encore, Carl. Tu te rapproches. J'aurais dû parler comme ça depuis le début, ça aurait été plus marrant. Ah bon bah, il va falloir... Il va falloir décrypter ça, hein. Aïe. Ne laisse pas tomber, Carl. Bah, il est l'heure. Même si j'ai pas besoin d'amener Mini Kinette à l'école demain, je bosse quand même. Et puis j'ai la vaisselle à faire, ouais. Bah, si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kinou avec l'épisode numéro 4 de The 11th Hour. Merci beaucoup et à la prochaine.